tous et bienvenue sur JVTV pour la troisième étape de qualification au championnat de France de Splatoon 2. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Karaté. Bonjour. Voilà. Bonjour les amis. Un matin difficile pour ça, les lunettes de un soleil. Oui, c'est ça. Tu comprends, je suis overbooké. I'm very busy right now. J'adore Paris, j'adore la France. Toute cette popularité acquise depuis que tu es commentateur officiel Splatoon, tu arrives à sortir quand même dans le micro. Je sais pas si j'arrive, mais en tout cas, c'est beaucoup de fierté de participer à ce jeu que je soutiens depuis le 1. C'est vrai. On est très heureux en tout cas de vous proposer ces championnats de France Splatoon ici même sur la JVTV. Cette dernière étape est la dernière étape de qualification online. Suivra une étape de qualification offline qui aura lieu à la Paris Games Week le vendredi aux alentours de 14h-14h30. On sera là d'ailleurs sur le stand de Nintendo. Hein, pour, oui, bien sûr. Moi j'attends aussi le tournoi Pokken. Le tournoi Pokken de la Paris Games Week et le tournoi Arms de la Paris Games Week. C'est vrai, il y a Arms aussi. Arms de la Paris Games Week. J'en serai. Je serai allé aussi sur Arms. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, t'es e-sport. Complètement. T'as vu, ils font le tour du Japon, là. Il y a un championnat national japonais en ce moment. C'est assez stylé. Bref, retour sur Splatoon. Trois équipes, on va dire, sont pressenties comme étant les favoris et ne sont malheureusement pas qualifiés. Les Rising Moon, premièrement. Oui, la Dash Team, deuxièmement. Et la Orcs Team, en troisième. C'est vrai, c'est beaucoup de bonnes équipes qui ont fait des très beaux parcours, mais voilà, ils sont tombés à chaque fois sur un morceau. Exactement. C'est la vie. Et puis le hasard du calendrier fait que le premier match est assez cruel. Exactement, puisque cette semaine, dès le premier match, dès le premier tour des 20 équipes, vous voyez que les Dash affrontent les EL Poséidon. Mais surtout, si on va en bas de tableau, on saluera la Ikaraté, hein, l'une des bien meilleures sûr. Équipes jamais. Je pense. Ouais, il y a des GK, trop bien. Ouais, si on va tout en bas de ces playoffs, on se rend compte eh bien, que les Orcs eSport vont affronter les Rising Moon dès le premier match. Évidemment, on va vous streamer ça. On vous rappelle les règles. Tout se passera en BO3. On commencera par une expédition risquée, suivie d'un bazooka en cas d'égalité. Tout se terminera sur une défense de zone. Ah, il y a des Squidding Good, les Stayfresh. Ouais, c'est ça. Oh, il y a du niveau. Hein. Non, mais là c'est, à mon avis, c'est tous les craqués qui ont pas pu. Évidemment, ils bourrent tous à la fin. Bah, c'est normal. Hein, et à la fin, il n'y aura que deux qui gagnera sa qualification pour la Paris Games Week avec un défraiement à hauteur de 1 500 €. Ainsi, la chance de remporter ce championnat de France Splatoon avec un an de jeu Switch offert par Nintendo et une qualification pour le championnat d'Europe qui aura lieu en avril. Sincèrement, merci à toute la communauté Splatoon qui nous ont aidés ou qui nous ont soutenus ou qui sont venus participer. Car grâce à vous, on a d'ores et déjà fait les plus grosses étapes des qualifications Splatoon en Europe. Et eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir peser peut-être pour amener les championnats d'Europe chez nous en avril prochain. Donc merci infiniment à tous. On va commencer tout de suite avec le premier match qui s'annonce salé, comme dans les allées. Puisque, eh bien oui, les Rising Moon, hein, mon très cher monsieur Karaté. Bah oui, mais c'est bien, au moins, s'ils perdent maintenant, ils peuvent déjà vaquer à leurs occupations. C'est un peu ça. Ça ira vite. Zozo, il est toujours là. Ski... Ah, ils ont pas changé, il me semble que... Killer, alors c'est possible, je rappelle que dans les équipes, vous pouvez totalement changer la composition de votre équipe. Hein. Ce n'est qu'un nom d'équipe, au final. Et si je regarde mes fiches actuellement, il me semble que les Orcs... Alors, est-ce que je dis n'importe quoi? Oui, c'est Agitorx qui a été sacrifié et qui a Kiver maintenant. Peut-être pas disponible à cette heure-ci, alors... Les transferts, hein, les transferts à coût de millions... Ah, c'est vrai. De millions. De millions d'argent fictif de Splatoon. Alors, on se souvient des bonnes performances hein, de la team Orcs. Évidemment, c'est beau. Oh là là, c'est beau. C'est beau, ah oui. Joueur de la team Rising Moon. C'est beau, c'est le rouleau. Exactement, rouleau, gros rouleau. Et les Rising Moon, est-ce que c'est l'effectif du 1 ou pas? Ah, ça m'a l'air d'être complètement l'effectif du 1. Ah, ma peluche à droite? Celle qui est par terre?
Oh bon, ah, les gars, j'avoue, il y a un drapeau feu qui est en train de mourir. Il s'est pris un coup de N-Zap, il a arrêté de voler, moi je te le dis direct. Le fou. Le pauvre. Ben oui. Oui, non, les Rising Moon, pareil, c'était Binks. Il y a Arm qui est plus là et qui est à la place, il y a Firenti. Alors voilà, je vous rappelle, donc, oui, il y a eu des transferts. Tu alors, peux inscrire 6 membres d'équipe hein, dans le championnat, évidemment, tout ça sous la 4. C'est parti pour le premier match et cette expédition risquée avec une ruée sur la tourelle. Et seul Binks hein, se place un tout petit peu en repeignage en haut à droite de votre écran. Qui va récupérer cette tourelle en premier? Est-ce que c'est... Ah, c'est beau et mort, hein. Ah, c'est beau et mort, mais c'est ça, il joue le rouleau, faut quand même aller au charbon et bon, bah tu prends des risques, forcément. Alors Firenti, je sais pas ce qu'il fait là-bas sur le côté, il joue quoi comme arme? C'est l'air d'être un liquidateur de la peu de frame que j'ai vu. Classique, ouais, c'est ça. Ouais, et pour l'instant, ouais, personne n'a vraiment avancé le truc, c'est vraiment ça patouche dans la gadoue. Bah... Ça y est, il y a Setsu qui est dessus, mais une pigmalance l'oblige à partir en retraite. À la retraite, elle a été affirmée hein, quand même, la retraite. Ah ouais, 90, c'est super serré dès le début, la bataille du milieu bat son plein. On a deux kills hein, quand même dans la team. Ah, Orcs. C'est beau qui va se faire U. Ouais, d'accord, comme ça au saut. Zozo est arrivé, il a saucé un peu tout ça. Andy, tu le récupères la tourelle. C'est bon, Andy. Oh là là, il a fait 3 pas et il en est mort. Ah, ils ont si pas c'est le temps, vraiment hein. À lui d'aller récupérer la tourelle vu qu'il joue. Bah là, ça y est, ils ont la supériorité numérique, les Orcs. Ouais. Donc normalement, à les 3 Orcs, contre 2, boom, ça devrait être bon. Oh, le turbo blaster c'est tellement efficace dans ce mode là aussi. Oh, une grenade bien esquivée. Grenade, ouais, bien, hein, mais attention, il va avoir le nuage. Est-ce qu'il s'en sert ou pas? Il a les pieds dans le bleu hein, quand même. Hein. Ouais, il y a une pluie d'encre ici qui bat. Joli travail d'équipe autour. Ce qui permet assez dessous de marquer des points. Premier checkpoint, ouais. Ouais, ouais, là ils sont bien. T'as vu au-dessus la couverture de Zozo, la couverture. Il y a des collègues qui assurent. Lui il pré-shot au cas où ça vient se cacher dans le coin. Ils sont repoussés. Ah là, ils sont bien là. Juste sur le côté, si on fait un petit côté là, regarde, ils sont en train d'essayer de reprendre l'avantage. C'est dur. Et regarde, il y a un jaune hein. Là-bas qui fout le zbeul à même le respawn. C'est ça. Rah, même Andy vient de décéder. Est-ce que Binks et tous les autres sont en train de revenir? Rah, Binks qui a quand même réussi à se. Kill. Ça commence à ressembler à peut-être une victoire déjà. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Andy? Il s'est fait gratuitement. Il va triple kill. Et peut-être, oh là là, il a presque tué toute la team à lui tout seul. Il est peut-être un peu tôt là, je sais pas, mais. Oh là là, ils ont pas l'air réveillés, les Rising Moon, ils sont pas encore risés, hein, eux, ils sortent quand il y a la lune. Il y a caché Zozo qui va saucer Binks. Ah oui, Binks qui en est mort. Oh, ils sont complètement désarçonnés, désordonnés. Oh, bien joué là, Andy qui essaye de. Oh, c'est beau qui a tenté de joindre l'utile à la crème. Il faudrait quand même réussir à l'avoir. Faudrait inverser la balance là quand même. Ah, mais ils ont marqué, ils ont 20 là, ça va être dur hein, parce que. Ils ont l'air pas très négociables. Voilà là, ils donnent tout ce qu'il a, c'est beau. Cette mais... petite feinte de tir aérien pour mettre la super juste ouais, derrière. Ouais, mais bon, c'est dommage. Voilà, ils sont désordonnés, ils sont bien organisés les Orcs et ils font le taf. Complètement là, c'est dur. Oh là, il OS tous les endroits. C'est ça. C'est ça. Il met du jaune sur le côté au cas où si quelqu'un arrive par là sur sa map, il verra qu'il est obligé de repeindre. La c'est. Ouais, ouais. Oh. Ah le N-Zap. Oh, mais c'est le N-Zap. Kill, hein. C'est le N-Zap orange. Attends. Non, 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 c'est non, le Turbo non, Blaster. C'est un blaster ouais. Bah oui, c'est le Turbo Blaster. J'étais en train de dire mais il est sorti. On m'a pas prévenu. Mon arme. Bah oui, mon arme que j'attends. C'est vrai que quand il tire vite et qu'il le range. Oh, mais la distance à laquelle il est en train de tuer tout le monde, Zetsu, c'est le troisième kill. En fait, si tu veux, cette arme, si tu fais pile poil la bonne distance, ça fait plus mal que n'importe quelle arme, tu vois. Ah oui, je vois, je vois. C'est vraiment. Il faut gérer la distance et t'as une arme des plus efficaces du jeu. Par contre, au corps à corps, tu vaux pas une cacahuète, hein. Mais bon, si il te tue avant de loin, il se pose pas la question. C'est dur à maîtriser. Et puis quand surtout même, hein. s'il est à côté d'un collègue qui lui gère le corps à corps, c'est la meilleure doublette de l'histoire. Hein. Allez, Andy qui a récupéré la tourelle et qui va essayer d'avancer un tout petit peu. Elle il pas terminé cette peu, game, elle pas terminé. Super, oh là, il en a 3 autour de lui. Ouais, il aurait peut-être dû back et faire la super. Oh, Binks qui meurt. Ski qui est totalement là, on l'a vu tout à l'heure avec un triple kill de toute beauté.
Mais là, pff, c'est dur, hein, c'est dur. En plus, ils repeignent bien la zone. Ça fait que ça empêchera bien les autres de vouloir reprendre quoi que ce soit. Il reste 30 secondes. Ça sent la cacahuète quand même. Rabin ne peut pas se décaler à cause du bleu. Ah là là là, tu vois l'importance de repeindre tout partout. Voilà, oh là, ils sont bien, ils sont dans leur titre. Mais rien qu'en kill, on va voir à mon avis à la fin, ça va. Regarde comme c'est jaune. Allez, Jaune, un jaune de Damas. Non, là, ils sont bien. Hein. Pour en plus, ils progressent encore. Il y a la super, il va sûrement l'envoyer. Voilà, un petit nuage radio toxique. C'est ça. C'est bon. C'est beau qu'il tente de déloger. Oh, il se bat, mais je pense qu'il va servir à rien. Ouais, c'est ça, il a juste à se replier en vrai. Il va peut-être avoir une petite prolongation du WEC, mais non, même pas. Rien non. du tout. Même pas. Total. La domination, elle est totale pour les orcs sur cette première partie. Et un Zelo Rising Moon qui s'est pas risé encore. Hein. Je ne sais pas. C'est un peu la finale avant l'heure. Hein, ah, c'est bon. Là où tu vois, ouais, premier tour, hein, c'est le premier tour. Hein. Premier tour, pas regarde le temps de niaiser. Hein. Kill oh. Oh là. 19 ou est-ce qu'il a fait un carnage hein. Alors, tu peux nous donner les informations quand même, on l'a pas redit, mais qui a marqué là, à la fin du match. À quoi correspondent les chiffres? Bah, les chiffres, c'est le truc où t'as le plus emmené le chariot. Non, d'accord, mais au niveau des kills. Ah, là, les kills bah, t'as les kills et le nombre de super utilisés. Très bien, kills et voilà. Nombre de super utilisés. Avant, t'avais le kill et le nombre de fois où tu t'es fait éliminer. Mais ils ont enlevé, maintenant ils ont mis 10 plus combien de fois. Combien de fois t'as perdu ouais. Au final, c'est pas très. C'est vrai que c'était pas très relevant. Parce que si tu as une arme qui va au corps à corps, forcément tu vas beaucoup perdre, mais tu peux aussi beaucoup. Beaucoup faire de dégâts, et puis des fois rester en vie, tu tues pas beaucoup, mais bon, tu sers quand même à la team si tu repeins. Donc le nombre de super, ça indique au moins que t'as beaucoup repeint et beaucoup contrecarré les plans adverses, parce que plus si tu repeins la couleur adverse, et ben tu gagnes plus vite de la super. Ouais, d'accord, okay, donc tu utilises aussi plus vite. Ouais, je vois ça. Le nombre de super, ouais, c'est beaucoup plus. C'est un indicateur grâce à la fonction inverse, on peut en déduire. Ouais, j'ai mis un petit relevant Super Famicom, c'est pour faire l'ancien. Très très bien. Je rappelle que le vainqueur a affronté les Chaos au deuxième tour. Il y a une team qui s'appelle Team PGW. Ah, les GEK Infinity. Tu sais qui c'est ces équipes là? Bah, c'est les youtubeurs là qui se sont mis à Splatoon avec le 2. Ah ouais? Ouais. Il y a croise pas mal online. Hein. Ouais, c'est bien s'ils arrivent à ramener des gens sur Splatoon 2, ce jeu formidable, ça ne peut faire que du bien. Ils font quoi, GEK, normalement? Je sais pas, c'est. Toi qui es youtubeur, tu devrais connaître un peu. Je crois que c'est Guitou et Karine, ou ça sert à rien, tu vois, c'est un couple de joueurs, je crois, j'ai pas tout capté. Guillaume et Kim, voilà, Guitou et Karim, Karine, c'est pareil. Gaki ouais, c'est ce que et Guichel, bien sûr. Je sais pas, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal sur le live, on en croise beaucoup, surtout quand on est faible niveau comme c'est moi. C'est ça, exactement. Bah après, tant mieux, ce sera peut-être les champions de demain. Allez, tente ton mission Bazooka dans ce mode, il s'agit d'emmener une arme. Et c'est re la même map, hein. La même map. Hasard du calendrier. Ah, il va et les sa orcs vie. Non, qui ont déjà pris l'avantage, mais ils essayent d'éliminer les violets, les Rising Moon, avant de prendre le truc en 10 sans saisie. Ah, c'est raison, pas mal. Hein. Il joue sniper. Ouais, là, il sait bien. Ils oh, ont... mais par quoi il s'est fait tuer, bon il sang. S'est fait tuer par le Turbo Blaster, je te dis, c'est... C'est violent. C'est un coup, hein. C'est vraiment une balle si tu fais pile-poil la bonne distance. Bon, en attendant, c'est les ça. Rising Moon, ils ont quand même progressé d'une trentaine de yards. Ouais. Oh là 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 là, ça patouche dans la semoule. Il est où le bazookarp? C'est Zetsu qui l'a récupéré. Ah, Zetsu qui l'a, ok. Ils sont encore dans leur zone là. Ils attention, peuvent pas marquer ouais. de points, mais là voilà le décompte comme ouais. S'il passe là, le petit talu, le petit truc là. Bah, pas mal la pluie. Ouais, oh, voilà, ça y est, il mène. Tu t'es évité une grenade pour la deuxième grenade, non. 56, c'est vraiment pas mal, hein. Surtout dans ce stage qui est assez ouvert où c'est vraiment menaçant de partout. Regarde, il y en a trois de morts du côté, voilà. Du côté des orcs, c'est peut-être côté... le moment d'accélérer, de faire ouais, un là, hit. Il peut aller mener, oh il est tombé, c'est dommage, ah, ça ouais. d'être tombé, il est tombé. Alors qu'il tombait de l'autre bord là, il aurait pu peut-être faire mener l'équipe. C'est ça, parce qu'il est tombé sur une zone qu'on ne peut pas repeindre, ouais. malheureusement. C'est peut ça. Pas et... progresser en squid. Ouais, et puis il y avait le mur, il pouvait pas passer de l'autre côté une fois tombé du mauvais côté, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était un peu violet, il aurait pu avancer dedans. Du coup les orcs sont devant au score et ils protègent maintenant le bazookarp. Oh là, il arrive un petit nuage toxique.
Mezetsu s'en va. Hop, voilà, il y a un petit versus. Là-bas, ils sont deux. Il va peut-être fuir le versus. Il essaie de le maxer. Voilà, c'est le mieux. Il a vu qu'ils étaient deux. Et t'as vu, hein, le bazooka est là. Hein. Il le protège. Et juste à ma, ouais, à ouais, ma gauche, il joue le un bazooka, peu le... vous voyez. C'est ça. Et bah, il va réapparaître au centre de l'écran. Ils jouent un peu le timer. Ah, ils ont été marqués, là, l'équipe des Verts, par... par sûrement une grenade marquisante. Ah, mais ce turbo blaster qui cherche la ouais. range à chaque fois. Ouais, ça c'est très fort le turbo blaster hein, quand t'as la range. C'est okay. la vie. Légère reprise d'avantage des Rising Moon là au niveau. Oh là là, ça y est, les Rising Moon ils ont. Alors Zetsu qui attend, voilà, qui attend Andy et oh qui l'a là tué, là. T'as vu. Il oh. s'est mis pile poil à la bonne distance. Mais je te jure, mais ce turbo ouais. blaster est ouais, juste mais... violent. Bah c'est une des ouais c'est une des très bonnes armes. Mais là quand bien, tu es, hein. quand c'est, tu es... c'est super dur d'estimer la bonne distance mmh. à chaque fois. Hein. Ouais voilà, quand tu connais bien le stage et l'endroit par où les mecs vont arriver, et surtout que oh, voilà, ouais, regarde violent comment... un une balle hein, une balle. Et c'était c'en est fini le Joe. Mais c'est Andy aussi, il a été un peu prévisible là dans son arrivée. Oh là là, il oh, oh, sous rien à battre. Oh là là, Zetsu. Oh là là, qui a réussi à gratter encore quelques yards. Oh, c'est magnifique ce qu'il a fait sur le fil du rasoir, le philatéliste. Oh, le fil harmonique. Non, c'est comment les mecs qui vont sur le fil là. Je sais plus. Les équilibristes. Les philanthropes. Philanthropes. Philandreux. Non, mais franchement, les Collins. Ouais. Aussi. Le tristement célèbre. Et en attendant, le truc est au milieu et c'est tout vert autour, hein. Oh, les Rising Moon qui vont ah, pas gagner. Enfin, oh, voilà, Andy a gagné son versus. Ça y est, est-ce que c'est le kill qui va faire la diff? Et ah, il repasse bleu, hein. Il repasse de ce côté. Ah, y a oh, là, peu de bleu là sur y la pas gauche. De bleu. Oh, mais oh là là, il tente d'aller faire mener dans un élan un peu désespéré. Il tente d'aller faire mener la team. Ah, il aurait mais peut-être dû attendre les collègues, hein, c'est dommage. Attention, il y a un gros duel là entre Zetsu et Binx. Binx a gagné, donc c'est bon. Ils vont peut-être pouvoir reprendre. Là, ils sont deux. L'explosion peut tuer. Là, ça ouais. au-dessus, double kill. Ah, double kill, il y en a un qui est mort. Et c'est voilà, attention, est-ce qu'il réussit oh, à faire mener net, oui. Ils ont repris l'avantage. C'est bon, ils ont repris l'avantage. Rising Moon n'est pas mort. Est-ce qu'ils vont rising de leur mort? Ah, peut-être Andy, hein. Ah, c'est dur avec Andy, un seul... Ouais. Andy, ah, c'est bon, il a attrapé. Oh, il veut touchdown, oh là là. Rien à faire. Oh il est tout là seul, là, il arrive pas à le tuer, c'est trop parce qu'il est trop près. Bah oui, il est trop près avec le Turbo Blaster. C'est malin. Il s'est rapproché pour casser la distance du Turbo Blaster. C'est un super c'est move d'Andy qui a fait... Il a fait le pouvoir humain. Tel un dandy. C'est ça. Bah, c'est bien joué ce qu'il a fait du coup. Maintenant il mène bien large. Et là Zetsu va tenter de temporiser dans ce truc, dans ce petit côté là, histoire d'attendre là, les collègues. Ici on peut pas repeindre là. Donc ouais, obligé, et la pique manance, oh là la superbe zouk mentance là pour éviter. Oh, oh là là, il a quand même aussi aspiré. La pique manance d'Andy hein, qui lâche pas le steak. 7 secondes, attention ouais, les violets. Bon, attends, tranquille. Voilà, faut et prendre le truc, boum. Oh ça, ouais, c'est bon. Ils ont bien temporisé, mais pas ça, de prolongation. Ça c'est Andy hein. Et un partout, ps. Un partout. Et on va voir du coup le mode qui décide tout le temps. Hein, voilà. De la défense de zone. Et la défense de zone, ça peut être bien pour les Rising Moon. Hein, parce que là, l'utilité. Enfin, ça dépendra le stage. Mais Andy, qui est fort au snipe, peut complètement faire la diff en défense de zone. Ça peut, voit, j'ai ouais. l'impression qu'à la somme des kills cumulés, ils étaient mieux les orcs, mais ça a un pas petit suffi, tour hein. Jirel au pif, et c'est bon, c'est gagné hein, pour les Rising Moon. Complètement. Alors ça va être quoi le stage? Gymnase ancrage, c'est pas très snipe friendly. C'est plutôt Turbo Blaster friendly, je dirais. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Ouais, Turbo Blaster qui est une bonne arme pour counter-pick le snipe, hein, franchement. Ah, c'est chaud, puisque là, c'est la seule et unique chance pour l'une des deux équipes de progresser, hein, aller au deuxième tour. Hein. Sinon, il y aura après, forcément des déçus, parce que là, le niveau est vraiment ouais, équivalent. Ouais. Je dirais même que les Orcs sont légèrement au-dessus, ouais, mais que là, il y a un véritable ouais. coup de génie. De Andy, ça, ouais. De Andy, ouais. Andy qui a porté l'équipe là sur la fin, c'est superbe action. A-Shield de 21. Ah, c'est complètement ça. Il a fait fiou fiou, il a esquivé. Mais ouais, là, gymnase ancrage, moi je donnerais un petit avantage aux Orcs quand même. Mais bon, après, faut voir.
Défense de zone, ouais, ça va être dur. Ça va être dur, c'est disputé. Ils prennent le temps de choisir leur arme. Ils doivent parlementer entre eux, là. Sinon, après, bah, ce sera la PGW offline. Tout se réglera. Et là, ils ont un petit avantage, vu qu'ils ont déjà fait le tournoi au State offline. C'est vrai. Donc, ils sont habitués à jouer offline ensemble. Quelque part. Donc, et à gérer la pression des tournois. Mais même s'il n'y en a pas eu... beaucoup depuis, offline j'ai envie de dire, même s'il y en a beaucoup online, mais offline il y en a eu un peu moins. Mais je pense que voilà, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Une seule zone. Oh, il a pris le parasol. Ok, pourquoi pas, pourquoi Andy pas. Non, pas Andy, le collègue de Andy. Même pas. Je sais pas, non, je sais plus c'est lequel, c'est... Ça doit être Firenti, non, c'est pas Firenti. Peut-être c'est beau parce que j'ai pas vu de... J'ai pas vu de comment ça de. Oh, j'ai cru que les orcs allaient rouleau. Récupérer, mais non, Andy qui va sniper quand ouais, même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est important là, voilà, l'importance, la première fois. Oh, ça joue. Ah non, il a envoyé le nuage magique. J'ai cru qu'il y avait une furibicile. Cette fameuse furibicile de la méta incroyable. La pigma lance pour arroser ouais. Un petit peu. Voilà, ça c'est bien, ça permet de... Ah ouais, mais là c'est vert, attention. Ouais, les bleus, les verts ils ont vont récupéré, mener, hein, et ça y est, les verts qui mènent. L'équipe des orcs, là, qui mène. Attention, Diver, il essaye de s'immiscer dans la vie des roses, là, pour aller... Oh là oh, là, la bombe rose, hein, quand même, hein. Ouais, il a vu, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, ah, c'est dur. Oui, arrêt du décompte. Allez, c'est beau qui revient. Et on va suivre Andy. Andy qui doit absolument voilà, reprendre la zone. Voilà, mais maintenant, il doit il y a un gérer. Il se cache bien. Boum. Oh, le shot n'a pas pris. Alors, on va petite voir couverture sur le côté. Et il y part sur Orcs. Oh là là. Ah, le nuage toxique qui va peut-être permettre d'arrêter le décompte. Oh là 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 là. Ça n'a pas arrêté le décompte. Ils hein. mènent ils toujours ont bien pas. Ouais. Malus et ils vont essayer de c'est repasser beau. Sous les 54. Ah, ok, c'est beau. Il a pris le saut. Ouf, oh là là. Il a pris. Oh, il a encore envie. Hein. Il a pris 3 bombes ballons. Mais oh, ouais. Oh là là. Ah, il faut pas trop arrêter, mais ils sont passés juste en dessous. C'est ouais, peut-être leur chance. C'est jamais bon de rester sur la zone parce que si tu meurs sur la zone, tu fais un gros coup ouais, de l'ancre adverse. Et tu redonnes à l'autre. Ouais, et souvent ça arrête le décompte de mourir. Alors, attention, là ils mènent de pas grand chose les ah, roses. Il reste 8 secondes ouais. Avant que ça redevienne donc ça bascule en faveur des orcs. En tout cas, c'est très 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 disputé. Ah, et voilà, les orcs et se sont l'adversaire devant à présent. Oh là 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 là. Cette bataille de tranchées, ils essayent un peu de les contenir dans leur zone là, les verts, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, ah, il joue de loin. Hein. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Attention, il a sa super en plus. S'il embrouille, il peut venir repeindre alors, très regarde, rapidement. Regarde, regarde où ils sont les Rising Moon. Regarde, oh là là, ils sont décontenancés. Voilà, c'est bon, la super qui va peut-être permettre d'avancer. Oh, il y en a eu un ou pas voilà. Ah, c'est lui qui s'est Firenti. Fait tuer. Firenti. Regardez qui est. Ouais, mais arrêt il du décompte. Arrêt du décompte et ils ont repris. Regarde le malus parce que grâce à la pigma lance, même si Andy est mort, il y a Firenti qui a réussi à aller reprendre la zone. Ouais, c'est et ça leur donne un peu. C'est courageux, ouais, hein. Ça leur donne un peu de temps de vie. Mais là, je sais pas si ça va suffire tant les orcs ont l'air déter. Oh, c'est beau qui tente tout ce qu'il peut, mais là le saut a pas l'air très efficace. Ouais, il faut stopper le décompte et faire ouais. Des kills, faut tuer. Hein. Si tu passes, c'est mort. Ah oh là là, il a mis son armure et il allez, va aller. Sur la pigma lance, voilà, pour essayer de voilà. Reprendre. Maintenant, faut pas la lâcher cette zone. On va voir un peu où sont. Oh, les orcs sont oh tout là autour, là. Regarde. Hein. Zozo Daskin d'un côté, Zozo à l'est, Kiver à l'ouest. Zozo qui est en bas. C'est beau qui doit faire les kills là et il meurt. Aïe 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 aïe. Si c'est beau et quand même, là, il tient Zuber. Bien. La super, il a envie, mais pour l'instant, c'est pas très efficace hein, son saut au corps à corps, alors que c'était une des meilleures armes avant la dernière mise à jour. Là, peut-être les petits nerfs qui commencent à jouer. Ah, et là, ça commence à sentir quand ouais. Même l'avantage. Ouais, là, Oh, le petit tourniquet là qui ils va. Ont arrêté le décompte quand même. Ils ont repris la zone de l'autre bout de l'écran hein, grâce à. Pigma lance, un combo incroyable, pigma lance, nuage toxique et le petit tourniquet. Et là faut faire les kills, faut les empêcher d'avancer, hein, sinon il va jamais rien se passer. Hein. Oh là 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 là, et c'est beau, c'est beau qu'il tente de zoner là, la bombe splash. Faut le tuer là, ça y est, il l'a eu. Double kill, c'est pas très bon. Si, double kill. Il y a encore là, est-ce qu'ils ont arrêté le décompte? Oh, bien joué. Oh là 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 là, ils vont encore reprendre la zone. Oh là là, oh bien joué ce kill. Allez, faut tenter de reprendre encore une fois. Il reste 50 secondes. Le petit tourniquet qui annonce un peu d'où il va pop, là du coup il se dégage. Nuage toxique, c'est bon, il l'envoie sur la zone.
Ils n'ont pas réussi à garder la zone. Oh là 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 là, ça va arrêter le décompte, ça va bien jouer. Parfait. Il faut et hop, la zone est reprise. Il faut réussir à un moment à tuer ces vers là. Il n'y a pas eu vraiment encore de kill total de la team qui aurait permis de prendre un meilleur avantage. Pour l'instant, ils font des petits kills par-ci par-là, mais il y a toujours un vert qui revient. Oh là 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 là. Ah ça y est, ils ont pris toutes les zones. Purée, il en reste 4 secondes. Non mais ça peut être jouable, là, c'est eux, le décompte. Si le garde, là, il est bien. Si le garde, il est bien, Zetsu qui tente, voilà, attention. Ouh là là, c'est beau. Cache-toi derrière le mur, c'est beau, là. Oh, ça descend pour le Rising Moon, c'est tellement tendu. Faut pas qu'il se fasse reprendre, faut pas qu'il se fasse reprendre, ils l'ont encore. Ils tiennent bon, les Rising Moon. Ils tiennent, attention. 6, 5, 4, ça y est, il met le goal. Oh là 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 là, du bout du slip. Voilà là, et la victoire. Mais vraiment à la frame de la frame de Rising Moon. Vraiment, voilà, les orcs. Le dégoût doit être total chez les orcs. C'est incroyable. Parce que hein. Là, ils ont, je sais pas, ils ont claqué le Saiyajin Blue. Ah ouais, c'était. Et ils ont tenu jusqu'à la fin, hein, les Rising Moon. Ah, ça pouvait pas être plus tendu que ça. Oh là là là, dur, hein. J'avoue. Très dur. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué les Rising Moon qui remportent du coup ce point. Ah là, ils rise vraiment de leur moon, hein, parce que c'était dur. Hein. Ils arrivent, ils sont passés du bout du slip, mais j'espère que ça leur servira de leçon comment pour l'avenir. Mais comment ça? Bah voilà. Les deux équipes ont super bien joué. J'ai juste l'impression qu'il y a une... Tu vois, ils voyaient le décompte tomber, les Orcs, et ils ont commencé à se désynchroniser. Ouais. Désynchroniser un peu, il y en a un qui partait à gauche, l'autre partait à droite, et les autres étaient dans le sursaut d'élan de contrôle. Bah c'est là où la tactique doit jouer, hein. Je pense qu'ils auraient pu peut-être même laisser les autres reprendre bien la zone, mais charger leur super dans le coin, et à la fin envoyer toutes leurs super d'un coup et espérer que ça passe. Mais là, à la fin, ils étaient un peu désordonnés et bon, peut-être, voilà, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais c'est ça la beauté de l'e-sport. La beauté de l'e-sport. Et là, c'est quoi le prochain match, alors? Alors, nous allons avoir le match qui va opposer les E+ Funward face aux les Tartineurs. Ah, los Tartinadores. Los Tartinadores, oui. Les Tartineurs contre les E+. Ah, c'est deux équipes qu'on n'avait pas vues, ça, encore. Je crois, ouais. Ouais, tout à fait. Ça me dit rien, j'ai pas mes données de mon appli papier. Me dit que non, on ne les avait pas vus encore. Ah bah c'est bien. Alors, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, très beau match, un très beau premier match, c'est cool. Une finale avant l'heure, hein, quelque part. Très complètement. C'est, de toute façon, on avait dit que ça allait être tendu. De par le résultat. Mais les Orcs, peut-être, reviendront-ils à la Paris Games Week, retenter leur chance offline. Ouais. Encore deux spots à prendre, hein, on vous rappelle. De l'autre côté, on va peut-être aller voir du coup ce qu'il en est. Alors, voyons voir pour ce qui est des autres équipes et du classement actuel pour le premier tour qui s'est joué. Donc les EL Poseidon ont battu la Dash Team. Oh là là, ça devait être tendu. Regarde 2-1 aussi. Waouh, l'Icaraté a passé un tour. Alors moi, mais ça c'est un miracle. Mais il se passe quoi aujourd'hui? Attends, l'Icaraté a passé un tour. Et oui. Contre la team GDPS. Ok, incroyable. Mais que se passe-t-il, bon sang? Et là, ils vont jouer contre la Darko Timu. Ah mais regarde, j'ai Guacrémi dans... Regarde, Guacawel, Écurisson. Ah ouais, c'est, oh, y a une tout, team, y a tout. C'est une team Guac en fait, les Tartineurs. Ah, les Tartineurs. C'est les Tartineurs. C'est les Tartineurs. Oh là là, il y a des frères du Guac, c'est je beau. Je sens qu'on va voir du très très beau match. Rémi, ouais, Rémi, il est pas mauvais. Il joue le comment ça, le gun du 1 là. Tu sais, le premier, le machin junior, liquidateur junior, ouais, c'est ça. Kawel, oh là là, mais ses frères qui sont là, c'est stylé. Incroyable. Et ils sont avec quoi? Écurisson. Écurisson, Guacawel, Guacrémi et Wolf. En face pour les plus, Félix, Rosario et Atrac. Écurisson. Et tu m'as dit Wolf. Wolf, oui, tout à fait, Wolf. Il écrit Wolf là? Ah ouais. V-O-S-T-F-R. C'est ça. Et les E+, il y a Félix.
Félix. Oh, pardon. R0, enfin Ro quoi. Toto Kazedane, pardon. Sario. Sario. Et Adrak. Encore gymnase ancrage, hein. On est motivé pour le gymnase ancrage. Ah oui, c'est. Non, mais j'ai l'impression des fois que le truc, il est préchargé dans la console et elle se prend pas la tête, elle le Attention, recharge. Hein, les tartineurs, ils rigolent pas du tout, ils ont passé un tour de zéro. Hein. Ah oui? Oui, oui, oui. Los Tartinadores. Ça rigole. Oh là, pas. C'est incroyable. Félix qui prend son temps. Ça y est, c'est choisi. Gymnase ancrage sur l'expédition risquée. Hein. Ouais. Pouah. Ah, ça aussi, c'est, c'est un monde. Hein. Tu vois comment c'est ouvert, là, c'est pareil, ça peut venir de partout. Oh là là. Il joue, ah, il y a un end-zap, ça fait plaisir. Un snipe. Et il a le gros truc, là, le machin, là, de corps à corps, là. Comment il s'appelle, le spla... Oh, je sais plus. C'est fini. Le spla... Oh, je sais plus. Ouais, c'est le fini. Truc, là, l'arme qu'on disait que c'était l'arme des sacs sur le 1. Le truc de près, là. Le dynamo rouleau. Qui a une super cadence. Ah non, le dynamo rouleau, ça, c'est l'arme des Japs. Hein. Les Japs online, ils sont invincibles avec le dynamo rouleau. Je suis tout de suite. Mais dis-moi, ouais, ça fonctionne bien, même si, bon, ils ont laissé partir la tourelle un tout petit peu. C'est stoppé, alors Guacremi va monter. D'accord, Guacremi monte. Guacremi, il est là. Tranquille. Ah, il joue le saut. Ah, ouais. D'accord, il joue le saut. Oui, c'est bien d'avoir le saut, d'être dessus et de distribuer comme ça. Beau mouvement. Sur la place du marché. Hop là, oula, attention, le snipe en face. Oh, par contre, une grenade. Oh là là, il a failli prendre deux un. Grenades. Ouais, il y a eu grenade et le petit chien. Encore de... un chien. Oh là 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 là. Ce chien robot, ce petit toutou. Il y a tellement de drones partout. Ouais, c'est ça. Ce petit toutou qui vient se coller à toi. Avec Kawhi au premier checkpoint. Ça y est, oh c'est fait. Là il là recule là un tout petit peu parce que ça sent la pique malin. Attention. Oh, il y a eu cru 78, mais ça a rebasculé. Les nanosecondes. Ah, ça y est, ils vont réussir à mener ou pas? Oui, ça y est, ça il mène. Et dès qu'il mène, il descend pour aller traquer le Sario. Sario qui a lâché une bombe avant de mourir. Ah, ça, c'est vraiment les snipes. Hein. Les snipes, c'est leur arme, ça, au corps à corps. Il lâche une petite bombe triangle et il part se cacher. Et si toi, t'as pas fait gaffe, bah, tu prends. Et voilà, ça, c'était la spéciale Andy sur le 1. Je l'ai tellement mangé que plein de fois. Et une petite loufante. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu le vois. En traître. Tu le vois, tu tournes le mur. Et tu tournes le mur. Et lui, il s'est barré. Il t'a laissé une bombe. Et comme c'était derrière le mur, bah, ça, elle arrive pile poil en explosion. Et tu meurs. Avantage au tartineur en attendant. Ouais, 66. Oh là là, ils sont motivés. Oh, en c'est face, couleur. C'est les Leclerc. Oh là 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 là. C'est les couleurs de l'automne, ça, hein. Un peu. Oh là là, ce pompe de loin. C'est bizarre. Ouais, il a tué. Je sais pas comment. Ah ouais, c'est Sario. Pas mal, hein. Ah oui, c'est bien d'avoir le parasol qui met la garde quand t'es dessus. Quand t'es ouais dessus le. Ça pas le suffit, truc, malheureusement. Là, j'ai l'impression qu'ils ont perdu ouais, la tourelle. Attention, voilà, tu vois, devant, c'est ce truc-là, contre cette arme-là, la trompette-là. Oh, les mouvements. Merde. Ouais, Guacawel qui en est mort. Attention. Ouh là là, Écurisson qui est un peu le dernier bastion vivesse de sa team là. C'est ça, c'est bizarre. Oh là là, que... et du coup ils progressent. C'est ça, ils ont laissé la tourelle aux adversaires là. Oh, il y a un tartineur là. Enfin, un tartineur, non, un barbouilleur comme on l'appelle. Hop, Écurisson. Oh là là, Écurisson qui a double réussi mort à tuer quand même. Ah, qui a réussi à tuer, attention parce que, ouais, c'est bon, ça repart au centre, mais il faut repeindre tout autour. C'est serré quand même ce. Oh là là, partie, l'explosion, hein. Non. Oh, quoi, Kawel qui était pile poil. Dans la frame de non-touchance de la super, là, du choc chromatique. Oh, Caracor, il a réussi à le gérer. Ou alors que l'autre, ouais, c'est ça, alors que l'autre, il a une arme spéciale corps à corps, hein. Tu vois, et il a réussi pourtant à le gérer avec le parasol. Bien, il attend bien caché, hein, pour ouvrir la voie oh, à la tourelle, Wolf. C'est un bon, ce Wolf. Voilà, ça, c'est bien de repeindre là. Comme ça, les autres, ils pourront pas remonter. Et là, il part au-dessus. Tu vois, c'est le seul à être vivant, finalement. Ouais. Hein. C'est le meilleur parce qu'il est pas guac. Mais bordel. Oh là là, attention. Oh là là, il a réussi. Non, il a eu R0 qui a fait le ménage. Ils mènent pas de beaucoup hein, quand même les guacs. Hein. Ils hein peuvent complètement se faire contre-guaquer à la fin. Purée, comment ils savaient que ça allait pas tuer là à cette distance? La bombe, oh, c'est tout vert, mais il est vivant. Et je sais pas comment il fait. Hein. Il repasse ses pieds au pinceau. Ouais, c'est. Ouais, la pigmalance. Il est bien aidé par la pigmalance. Attention, quand même. Ça sent allez, le retournement. Ici, toi, ils essayent de les amener. Oh là là, ça sent le retournement de Guac. Oh, derrière, il y a Rémi. Oh là là, Félix, il est jamais ils mort. Sont deux c'est bon. Ça y est, je crois qu'ils ont stoppé l'hémorragie. Enfin, oh là là, c'était dur. Hein. Ouais, mais c'est passé à 4 mètres près. À 4 yards. Oh là là, et ils reprennent le truc. Il reste une minute, rien n'est fait. Hein. Les oranges là qui lâchent pas le steak, les E+.
Oh là là. Deux kills, t'as vu au saut, Rémi. Ouais, Rémi l'a fait ça, là, ouais, c'est le bucket de variété. Oh, hein. Oh, dommage ça. Oh là là. Il y a eu un petit malencontreusement que c'est passé là. Sario. Oh là là là. Pour quelques secondes avant qu'il était six, ouais, il était six fois mort. Oh là là, 57, c'est pas beaucoup quand même. Moi, je sens bien la prolongation du WAC, là, des oranges. Tu penses? Franchement, c'est possible, là, parce que... Non, ils sont dans le camp adverse. Ah là là, attention, ce snipe. Oh, il a complètement fui. Il met l'armure pour tous les collègues. Rémi tient bien, quand même, ouais, mine de Rémi, rien. Il est pas mauvais. Oh là, attention, le barbouilleur, ça bien joué. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Regarde, oh le checkpoint. Là, il remonte. Il est tombé, le checkpoint. Oh là là, c'est incroyable. 10 secondes. Ils sont attention. Toujours sur la tourelle, il n'y a rien, regarde, ouais, petit voilà. Parapluie, petit nuage toxique. Non, là, ils sont bien, ah, ils sont contre, bien, attention, dans les pieds. Oh, il en a tué deux. Ouh là là, attention Rémi, oui, ça gagne. En fait, il a même qu'il meure ou qu'il perde, c'était... Peu importe, les tartineurs ont pris l'avantage ici. Bien joué. C'est vert, hein. C'est vert, c'est vert. Non, propre, ils ont géré du début à la fin. C'est un peu le... Ça part un peu dans tous les sens quand même. Mais 21 kills d'écurisson, 20 kills, 19. Ah ouais, il y a quand même. Tu vois ? Là, ils sont au-dessus. Hein. Oui, mais des fois, tu sais, il suffit d'une incursion. Peut-être que cette mission bazooka va être plus rapide que prévu. Hein. On ne sait pas, on ne sait pas, attention. Alors, ce sera sur l'Institut Calamar. On a l'impression qu'on ne voit que cette map-là aujourd'hui. Ouais, bah, pour l'instant, on a eu ces deux-là. Voilà. Pour l'instant, on a eu ces deux-là. Je dis, faut, tu décales tes frames d'appuiement sur le hasard. C'est ça, je vais faire ça. Je vais te laisser appuyer. Je vais te laisser appuyer. Wolf. Allez, les Echo Plus qui doivent se reconcentrer. Echo Plus. Les Echo Plus. C'est vrai, très très grande marque. Hein. Bah, c'est une marque de qualité. Courage, Wolf. Oh Rémi qui carie, hein. Ouais, il est complètement là le Rémi. Il est pas aussi fort quand je joue avec lui, hein. Bizarrement. C'est ça, hein. Saut au nerf. C'est peut-être, ouais, il se met à mon niveau. Je ne sais pas. Ah, il regarde les mêmes armes. Enza partout. On est bon. C'est parti. Allez, est-ce qu'on va le droit à un touchdown? On en a pas eu beaucoup, hein, mission Bazookarp, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, dans ce stage là où tout le monde peut être très vite au milieu et et faire patauger les autres dans la smoule, voilà, il l'a pris une frame, Félix. Hein. Il l'a relâché immédiatement. Oh, c'est allez. Bon, il l'a. C'est bon, il l'a. Ils sont bien organisés, hein, quand même, les cartes. Oh là là. Il y a personne, là, vrai. Mais pourquoi est-il tombé? Je sais pas. Il y a personne. Je sais pas. Il y a personne. Aïe. Aïe. Non, ils sont pas déco, hein, ils sont là. Hein. Ah, oh les quatre étaient morts, en fait. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord, ça a scoré. J'ai vu aucune forme de résistance. Bon, d'accord, mais en même temps. Ça s'est échangé maintenant, c'est eux qui sont tout seuls. Pour ouvrir la voie royale, pourquoi n'avance-t-il pas plus vite? Préfère, ouais, il attend que les collègues aillent faire le chemin. C'est pas une mauvaise stratégie. Ouais, faut que les collègues. Oh là là, mais c'est tout! Mais vas-y, va le planter! Mais va le planter! Ah non, il y a une déco! Mais va le planter! Mais plante-le! Attendez, non, il y a une déco! Il y a une déco, je suis sûr qu'il y a une déco! Ah bon, tu crois? Ouais, le saut. C'est qui jouait le saut chez les tartineurs? Bah, c'était Rémi. Je crois que Rémi, c'est déco. Tu crois? Oui, parce que quand en fait tu vois que la croix est marquée mais que l'arme est allumée, c'est généralement qu'il y a une déconnexion. Tu vois, Rémi 0-0, tu vois? Ouais, mais en même temps il est 0, Rémi, c'est connu. Tu sais, il passe de... Ouais, je crois qu'il y a une déconnexion. Ouais, il est pas là. On va remettre la partie. Je vais demander si... Ah, bah peut-être que ça a changé de stage du coup. Ouais. Je crois qu'il y a une déco, ouais. Une déco Mitendayo. Ah oh là là, Rémi, sa connexion n'a pas comment ça. Alors, je vais voir ce que décident les organisateurs. Voilà, Rémi qui est revenu dans la partie. N'a pas tenu la pression. Juste, je demande aux organisateurs. Hein. A priori, problème. Je vois avec le joueur. Ok, on remet. On remet. Je pose la question. Oui, c'est bon. Alors, cette règle qui vous permet d'ignorer tous les bonus random de vos équipements. Très très bien, si vous voulez jouer en mode e-sport. Je touille un peu, comme ça mélange les cartes. Merci. Ok, on remet, c'est bien. On remet bien. Vas-y, tonton, choisis-nous un random qui soit véritablement random. Tu fais ça? Ouais. Bam. Hop. Repasse, je refais les équipes puisqu'elles sont malheureusement maintenant elles sont dans dispatchées, le mauvais ouais. Sens. Ouais. Équipe Bravo, équipe Alpha. Ah, il manque un perso là. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Il est en importe. Il était là. 1, 2, 3, tout est bon.
C'est parti. Allez, on remet cette go. Deuxième partie. Ah, Canal Amar. Bien joué. T'as vu, je sais pas si j'ai mélangé les maps. Bien joué, bien joué. Ça a une importance capitale. Hein. Ah, et cette map, elle est très très open aussi. Et ça va être dur là de faire avancer le bazookarp. C'est notre troisième déconnexion, hein, je crois. Hein. Mais comme elle est open. Mais on a fait beaucoup de matchs. Hein. De quoi hein. Oui, ouais, oui. C'est... De toute façon, là, il après, faut que je sais pas, les. Ça se trouve, Guacrémy regarde le stream tout en jouant Wi-Fi, tout ça. Des conditions. Ouais, qu'on déconseille, évidemment. Que l'organisation des conseils. Je vous rappelle que si la déconnexion arrive un peu tard dans la partie est perdue. Hein. C'est allez. Parti. Allez, on remet ce mission bazookarp. On va voir si ça va jouer un tout petit peu plus rapidement maintenant ou si et bien. Oh là là. Et là, les verts ont laissé plutôt. Ils ont laissé la main. Ils ont laissé la main au bleu de. Au tartineur. Ouais. Au tartineur de prendre le bazookarp. Alors je sais pas, c'est une stratégie. Fou, il a fait deux frames hein, avec c'est son ça, bazookarp. Il s'est fait barbouiller. Oh là là, Rémi aussi qui s'est fait barbouiller. Derrière. Voilà, et il préfère le prendre en seconde ouais, bah, main. Ouais, c'est pas bête du tout, hein. En seconde main. Ah non, il est dans l'eau. T'as vu comment il flaffa? Ouais, il flaffa pour un petit peu. Oh, il s'est envolé quelques frames. Il a même pas eu le temps de tirer une fois. Le liquidateur, hein. Oh là, qui mais est... tout le monde est en train de mourir. Bien, ouais, là, c'est. Oh, bah, de toute façon, là, dans cette map, ça va être la guerre de sécession, hein. Ah, j'avoue que là, de c'est. De 7 sessions, même. Hop. Oh là là, c'est bon. C'est bon. Ça devrait aller, quand même. Allez, là, ils peuvent avancer. Ils mènent. Oh là là, pourquoi oui, tente en fait, d'aller. C'est totalement ce qu'il faut pas faire, je pense, quand tu joues. Il tente d'aller au. Ouais. Toi, c'est y aller tout seul avec ton bazookarp devant. Bah, en théorie, faut un petit peu reculer, laisser les collègues faire les kills devant, et après, voilà. Et après, t'avances tranquille, hein. Mais eux, ils préfèrent, je sais pas, il a préféré tenter de. Comme ça, ils mènent, tu vois. Même si c'est pas de beaucoup, mais déjà, on mène. Et c'est mieux, toujours mieux de faire la course en tête que de. Voilà, que de devoir c'est rattraper. Pas faux, c'est pas faux. Alors surtout qu'ils ont un snipe avec eux qui peut permettre d'empêcher d'avancer. Allez, là, ah, là c'est tranquille, il y a une petite. Oulala, ils vont mener. Oh, oui, il est passé par la droite. Oh, il a tenté, mais c'était pas assez, ouais, pas assez bleu. Mais il mène de quelques yards. Et le barbouilleur qui va barbouiller, il tente de barbouiller. C'est pas assez vert, malheureusement, tu vois. Ça me paraît compliqué, là, quand même. Oh là là. Ah, il s'est fait tuer. Oh, il s'est déjà fait tuer. Pouah, j'ai même pas vu. Oh, il est tombé. Ah oui, ça c'est ce qui arrive. Non, non wow, c'est, en fait, comment c'est il a la fait fin, c'est la fin de sa super qui l'a wow. fait exploser. Ah d'accord, ok. Enfin, super qui l'a fait exploser. Du coup, on récupère le bazooka, Félix. Ah, il va tenter le petit raccourci, c'est malin. Là. Est-ce qu'on l'attend? Attention. Oh, personne n'attend. Oh, personne n'attend, il y en a qu'un. Oh là 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 là. On va agir trop tard ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, Wolf veillé au grain. Et en plus, là, ça va être très dur pour les verts d'aller le récupérer. Du coup, ils vont sûrement ouais, jouer le on temps. On a déjà vu une map où ça s'est passé comme ça. Boum. Ça a été assez compliqué. Ouais, je serais même que pour eux, ils auraient dû le laisser là-bas, je pense. C'est un peu ça, là. Rémi ouais, ils récupère, auraient dû le laisser mais... là-bas, monter des supers et attendre qu'ils réapparaissent au milieu et faire un petit gankage. Oula, là, Rémi, ça tente le beau jeu. Rémi, oh, ça tente le beau Rémi, jeu. Rémi, la bonne voix. Oh là là. Rémi, la bonne oh, voix. C'est l'Ovalie. Oh, c'est l'Ovalie. Il a tenté de marquer NC. Il est voilà. pas assez loin. Le raffut, il a tenté le raffut. La confusion était totale. Ouais, là, et là, Félix. Ah bon, Félix, non. Qui a raté quand même. Ou le tir, bien joué. Ouais, ah, pour l'instant, ça va. Ah, il progresse. Moi, je me demande, ils sont où les collègues. Oh là 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 là, c'est dur. Ah, c'est ah dur, il, a, il l'a perdu. Il a perdu. Là, il y a le nuage. Ouais, il y avait le nuage toxique. Il y avait. Il attend que ses collègues respawn. Ah voilà, c'est bon, il va le prendre. Et tout seul, devant. Tout seul, d'accord. Devant. Attends les collègues qui passent devant toi, voilà. Voilà. Ça c'est bien, voilà le. Oh, oulala, 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 oulala. Aïe, 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 aïe. Et Kawel oh, qui était là, hein. Tellement bleu. Ah, Kawel. Ah, ah Genkidama. Non, oui, c'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est passé. Un petit curling. Curling, histoire de dire ouais. que c'est ah oui, il y a ce chemin là sur le côté, mais il peut même plus aller à gauche. Hein. Oh, bien aidé par les collègues. Il aurait dû collègues. Plus aller à gauche ici. Encore. Il faudrait qu'il descende. Ah là là, mais ouais, il connaît pas. Y aller tout de suite. Il connaît pas le chemin. Il y avait encore plus à gauche, hein, qui est encore un chemin plus safe. Mais ah, je sais pas. En attendant, les tartineurs mènent. Hein. Les tartineurs mènent bien. C'est incroyable de voir des guac gagner. C'est, ça paraît bizarre même. Non, ça n'est pas bizarre. Tu les as bien formés. Je pense, hein. Oh là là, ouh là là, est-ce qu'il va attendre le mec qui arrive? Oui. Oh, rien à faire. Oh là 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 là.
Ils ont pas marqué. Oh là là, mais Guacremi là, il a fait. Il reste 50 secondes, tu vois où est le bazooka. Il a fait trois kills. Mais franchement, il faudrait juste le contrôler. Ils veulent marquer le touchdown. Ouais, je pense qu'ils veulent le touchdown, ils veulent le beau jeu. C'est aussi ça le guac. C'est voilà, il tente. Ouais, contre, oh là, ouais, bah là, il y avait le pire chemin pour le beau jeu. Non, c'est pas un mauvais chemin, mais sauf que le tartineur, là, enfin le barbouilleur, il a tenté de l'autre côté. Oh là là, GG, ça c'est beau ce qu'il a fait, Wolf. Le clinique, il met la garde et il punit. C'est vraiment cette arme, c'est une arme de technicien, mais c'est stylé quand elle est bien utilisée comme ça. Et Sario appelle les collègues à la téléportation. Ils sont là. Oui. Ils essayent avec une petite Fury Curling, plus nuage, plus tout ce que tu veux d'essayer de progresser. Oh là et là, 10 secondes, c'est la prolongation. Ils ouais, n'ont plus le droit de perdre maintenant. C'est quasiment ouais, la dernière perdre. Chance au dernier moment. Il faut là. Libérer ça. Passer. Ah, laisse que les collègues passent. Oui. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Oh là là. Il a pas réussi. Ah, il rate le saut. Il a pas les jambes, mais pousse sur tes cannes. Ah, il rate le saut. Bah oui, mais rate le saut. Bah oui, après c'était plus bon. Il y avait un bleu qui est arrivé qui l'a tué. Il pousse pas sur les cannes, le gars. Il avait pas les épaules, il avait pas la carrure, purée, dommage. Et donc les Guacs qui gagnent, 2-0. Exactement, victoire des Tartineurs, 2-0. Los Tartinadores, qui passe un tour, c'est incroyable. Hein. C'est beau. Enfin, j'espère qu'ils vont tomber contre les Raizimou et qu'ils vont se faire lamenter. Le saut, quand même, le saut, ton ouais, tôt. Le saut, bah oui, le saut... Le saut, hein. Je sais pas, il a pas, il a tenté, mais ah, voilà, trop lourd, sûrement avec le bazookarp, il était trop lourd. Allez, on va passer du coup à la troisième partie. Les Ikaraté ont encore gagné, non, c'est pas possible. Oh, ça sent la finale Guac contre Ikaraté. Oh, je pense, hein. Je pense, on dirait que tout est truqué. Ouais, c'est ça. Les EL Poseidon ont battu les Night Squid. Les Ikaraté ont bien battu la Dark Team. Ils seront contre les Overroad qui ont remporté leur match 2-0. Les Stéfresh affronteront le vainqueur entre les Rising Moon et les Chaos. On connaît pas. Et les Tartineurs vont peut-être affronter les GK. Ah, c'est possible. Ah, ce serait beau ça. Oh, il y a une team Paris Games Week. Oh là là, c'est les organisateurs de la Paris Games Week qui sont venus jouer. Ouais. Ils veulent gagner leur tournoi qu'ils organisent. Purée, les Ikaraté qui gagnent encore contre la Darko Timu. Allez, et on aura donc les Stéfresh contre les Rising Moon lors du prochain tour. Ah, ça c'est le beau jeu. Bah, troisième tour, hein, ce qui correspondra, je crois... au 8ème. 1, 2, 3, au quart de finale. Razimoon, c'est beau. C'est beau. Donc les Razimoon qui ont bien battu les Chaos. Stéfresh contre Rising Moon. Les Rising Moon vont-ils réussir la qualification là où la Dash Team a chuté, malheureusement. Binx. Au premier tour, on va très attentivement suivre les EL Poseidon qui sont en train de faire un gros parcours. Razimoon, Stéfresh, tu m'as dit. Ouais. Je regarde mes fiches. Est-ce qu'ils ont gardé le même roster? Ils avaient déjà vu les Stéfresh. Je suis en expédition risquée. Stéfresh, oui. C'était Slax. Ah oui, c'était avec Pion. Et Bapt et Brius. Bah oui. Pion. Ils sont tombés contre les Elf Firmament, le match 1 du premier qualifieur. Alors, ah ouais, c'est la tristesse. Bah, ils ont perdu contre les gagnants. Hein. Ouais. Et allez, le deuxième, je sais pas contre qui, on les avait pas vus. Le deuxième, mais ils l'avaient fait aussi. De quoi c'est quoi? Inkarate, GK Rising. Il y a Ning Trunks. Les... Ils sont encore là? Non, ils sont pas là. Nicaragua. Ah bon, il y a ça? Non, c'est pas possible. Le Nicaragua, c'est ton pays pourtant, non? Non, moi je suis le Guatemala. Ah, j'avoue, le Guatemala est pas mal aussi. Ouais. J'avoue, le Guatemala est pas mal. Le Guacamelapa. Voilà, la partie est lancée, on est prêt. On peut accueillir du coup tous les caramachins. Les link-up, bah oui, c'est ça qu'il fallait faire comme nom de team. Oh, Robert Guacquinson, il connaît. Là, c'est un gros, gros match, hein. Très, très gros match. Notamment, ce qu'il y a, il y a Pion, c'est ça? Il y a... bah si, ils ont gardé le roster du 1, c'est Slax, Pion, Bapt, Brius. Ah, Pion, c'est une joueuse très, 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 très forte. Pion, pion. C'est épion ou pas? Non, c'est pas c'est épion. Pas épion, c'est pas épion. Pion. Mais si, tu connais pion. Pion? Ouais. Possible, possible. Si, je suis sûr que t'as déjà joué avec elle.
Elle joue pas rouleau? Ah, je sais pas du tout, je crois pas. Je crois pas. tant de suspense. Vous allez voir le suspense. Il faut quoi alors? Ah, ils arrivent. Bon, ils arrivent. Ils sont là, ils arrivent. Juste, je les attends. Je vais juste voir si j'ai pas oublié une invitation en ami. Sur le 1 rouleau, ouais. Sur le 1 rouleau. On me dit dans l'oreillette. Alors, Nicolas, machin, Carasu, Seta, tout ça, ce sont... Les chutes du Nicaraguac. C'est vrai. Ça y est. Ah, il y a le Sebo. Sebo, The Rising Moon vient de rejoindre. Parapluie. Ah oui, avec la garde. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être une bonne arme. Franchement, c'est un match qui va être quand même très difficile pour l'un comme pour l'autre, mais ça va être un match de très haut niveau. Ouais, ils sont fait avoir, hein, quand même. C'est vrai que les EL Firmament étaient totalement là. Ouais, ils avaient Neymar aussi. Awaxo Brazario. Ouais. Le Monk et Get. Ah oui, Get avec son pseudo japonais. Mais c'était fraîche, il avait fait le Qualifier 2 aussi. Ça se trouve, c'était un japonais. On les avait pas vus. Un vrai de vrai. Ça se trouve, hein, on ne sait pas. Hein. Pourquoi pas? Allez, j'ai Slax, Cassie. Ah, déjà, c'est pas le même roster. Lesté fraîche, pion. Alors. La voici. Slax. Il manque un joueur de chaque équipe. Cassie. Et on va pouvoir lancer la première expédition risquée. Pion. Quart de finale. Pion. Quart de finale. Pion Marmaille. Et. Il y a que trois pour l'instant. Peut-être Brius. Loli Brius. Soit Brius, soit Bapt, peut-être. Ils ont changé leur casse, là? Ouais, ils ont changé. Il y a Cassie qui a fait son apparition. D'accord. Mais pourquoi pas. Mais c'est marrant, eux, ils mettent 3 points comme j'ai ça. J'ai honte de ce niveau 9 au milieu de tout ce 50. Ah ouais? Ouais, c'est JVTV1, ça veut bien dire qu'on part pas chez nous avec la console. Avec la console, exactement. Merci. C'est juste que merci. Ça veut dire. Merci. Et tac, Brius, tac. Loli Brius, donc c'est Bapt qui est aux abonnés absents, qui a été sacrifié lors de la, défaite. Ils ont dit tu n'es plus digne d'être tu parmi es nous. Le maillon faible. C'est ça. Au revoir. Voilà, ils ont gardé les maillons fiables. Je mise sur un spawn kill des GEK. Bordel. Ah oui, il faut qu'on monte les GEK. Ah, j'avoue s'ils sont là. Bah oui, il faut monter les GEK. J'espère qu'ils vont gagner. Pour ça, prochain match, ça fait GEK contre Gouac. J'avoue. Si tous les deux gagnent, bien entendu. Hein. Ah pas ouais, de, c'est vrai que pas c'est de ça, disrespect. Hein. De, oh là là. Attends, je vais regarder quand même. Hein. Je vais regarder parce que là, tout se met à jour. Et Binx. On ne sait pas encore. Oh, c'est parti. Et je t'ai laissé appuyer, t'as remis gymnase ancrage. Mais j'ai pas fait exprès. T'as pas mélangé les cartes mais avant. C'est le random. Est-ce que t'avais mélangé les cartes? Voilà, faut mélanger les cartes, je te dis, c'est non, normal. Tu dois, tu utilises toujours la carte du dessus. Pardon, papa. Je suis désolé, papa. Désolé. Allez, c'est parti. Allez, on est lancé. Les Stay Fresh contre les Rising Moon. Est-ce que l'une de ces équipes va réussir à se qualifier? Avantage Stay Fresh hein, sur le comment sur ouais, la c'est, tourelle. C'est vert, là pour l'instant, c'est bien vert. C'est beau qui meurt. Cassie, malheureusement, est décédé. Ouais, et puis on prend la tourelle comme ça. D'accord, voilà. Très bien. Histoire de marquer un point. Voilà, on mène. C'est le point qu'est-ce qui gagne. Tu vas faire on ouais. Mène, qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont en train d'attendre hein, que la téléporte arrive ah, quand même. Voilà, ça y est. Pion, sur la tourelle, ouais. Il y avait Slax, Pibrius. Tout le monde arrive un tout petit peu derrière la tourelle. Tu vois, on a l'impression que ça oui. Pousse la tourelle. Ah, la Pygma lance Dandy. Ouais, il est obligé de rester il loin. Il fait un peu le ménage. Ouais, oh, bien évité. Bien évité, mais il y a le nuage toxique, oh là, puis là, la repygma lance. Sacré combo ça, un ah ouais, balance ouais. Nuage toxique, tu ne peux pas fuir. Si tu veux inverser un peu la position là, t'es totalement bien. Hein. Ouais, mais ils ont quand même pris l'avantage, hein, les Stay Fresh. Et Cassie qui est donc un rouleau. Tout à fait. Ou une roulette. Ouais, boum. Oh, c'est beau oh, qu'il arrive de nulle part pour tartiner Pion. Oh, le Pion qui fait toujours le taf. Et c'est Andy qui a pris maintenant la tourelle. Et c'est Andy qui met l'avantage au premier checkpoint. Voilà. Il va tirer sûrement là. Il voit un peu d'où ils arrivent devant, de loin. Devant, il y a Firenze. Voilà. Oh là 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 là. Ah, il y a Sebo qui est sur la droite. Il y a Binx qui est encore plus à droite. C'est un très très bon. Une très très bonne configuration voilà, pour les CMD bien. Faire tout le taf. Et c'est il parfait. Pygma lance le gars en diagonale. Oh, Pygma lance contre Pygma lance.
Il a juste esquivé Andy et ensuite après, et ben le travail est fait. Toi, c'est beau, Binks, sont encore en vie. Et Firenti a fait un gros travail aussi. Ah, Andy arrive au dernier checkpoint. C'est vraiment très chaud. Oh là là. C'est beau qu'il contrôle c'est tout. Beau, Binks ouais. aussi juste c'est derrière. Beau. Oh là là, il a réussi à tirer à la bombe tourelle. Il a réussi à tuer à la bombe ballon. Andy oh, Andy qui récupère. Revient. Non. Ça y est, ils ont réussi à stopper l'hémorragie, mais bon sang, c'était chaud. Oh là là, c'était dur. Ah, le téléport de Sebo, là, ouais, il était un peu kamikaze. Et Slags qui repart. Ouais. Et là, faut repeindre, hein, sinon on peut pas c'est bouger. Ça, il s'en sert plus pour repeindre. Ah oui, la machine à laver, ça fait longtemps, on n'avait pas vu. Pourtant, c'était une arme très très forte. Hein. Ouais, ils ont ressorti la machine à laver, alors. Ah, ils ont leur chance, maintenant, les stés fraîches. Peut-être oh là là, leur seule unique ils chance. Envoient le nuage toxique. Oh là là, Andy, mais il se cache bien derrière la tourelle. Il l'a pas encore, c'est bientôt, hein. Ça y est, c'est fait. Ça y est, Pygma lance, 3, 2, 1. Il est en train de viser. Ah, Pygma lance. Oh, il voit que les supers sont utilisés de ce côté, que c'est peut-être pas nécessaire de l'utiliser. Boum, ouais. Oh, il tente des kills. Ouais, c'est bon. Il a gardé sa Pygma lance. Ouais, il a gardé sa Pygma lance. Ouais, pour l'offensive. Parce qu'il a vu que c'était le choc chromatique qui était utilisé sur la tourelle. Ça servait à rien d'utiliser sa super aussi. Il y a une bonne communication, à mon avis, chez Rising Moon, là. Ouais, c'est beau. C'est le high niveau européen. Regarde où ils sont. Les Rising Moon, ils sont tellement hauts. Oh là là, il y a Cassie, attention. Il l'a vu, Farianti. Oui, ça y est, il l'a vu. Oui. Oh, il l'a tué. Là, c'est ils beau, sont bien. En vie alors qu'il y a tellement de verre en face. Aïe, ça y est, la mort est là. C'est beau, mais Andy est toujours là. Et ils font la valse des sauts, des téléportes, là. Hop, là. Est-ce qu'il y a un autre téléporte? Oui. Il oh là vie, là. Farianti, hein. Il est en vie, Firenti, et il tue. Ah, il versus Slack, oh double là kill. Là, il a fait il un, stoppé ouais. un peu au bout triple d'un moment. Triple mais... kill au moins, là. Cassie qui met fin au truc, mais oh, ça va être dur de revenir, là, pour les verts. Et Olibrius. Et Pion qui avait la garde et est resté vivant. Oh là là là, l'éclat blaster. Oh là là, très belle gestion, là, de Pion. Allez, faut remonter. Ah là, voilà. C'est beau qu'il sort. Il m'a fait peur, c'est genre un film d'horreur. Ouais, c'est ça. On aurait dit vendredi 13. Il sort de derrière sa tanière, il bondit sur sa proie. Oh, il a pas le temps avec son rouleau. Mais ouais. c'est à ça qu'il doit faire, hein, c'est se cacher très haut dans le camp adverse et faire des kills dès qu'il voit une tête dépassée. Voilà, 50 secondes, ça commence à être un tout petit peu plus vert, ouais, c'est ouais, vrai. Ouais, là il y a une belle super qui a été utilisée, avec le nuage toxique. Allez, ils sont partis. Oh là là, Andy, là qui réussit le kill. Bon, il a eu. Hop, il va pouvoir monter sur le truc. Faut que ça reparte, hein. Oh là là. Ils ont toujours pas activé le premier checkpoint, hein. Attention, il y a des super. Ah, bien joué, Pygma lance. Voilà, Pygma lance. Pour pouvoir permettre à Pion de valider ce checkpoint. Voilà, checkpoint bien validé. Yo, loulou. Oh, c'est beau, il est où? Je sens qu'il va sortir pas, de. Pas de mots. Oh là là. La grenade, faut l'éviter, oh, oui. Ça vise bien avant. Oh, ça tire tellement à droite à gauche. C'est tellement l'enfer. Oh, le nuage toxique qui va sceller peut-être le destin. Non. Et Pion, c'est bon. Vie, hein. Oh, Pion qui lâche rien. Par contre, faut retourner sur la tourelle, hein, 7 secondes de la fin. Faut retourner sur la tourelle, elle le sait. Aïe, la tourelle. 3 secondes, c'est les prolongations. Attention, parce que là, elle est attendue de partout. Il y a Andy, il y a Bix, c'est bon. Mort, oh, c'est okay. mort. Oh là là. Ils sont arrivés à 12 contre eux, tel ouais, le Salmon Run. Ah, mais là, c'est dur. C'est dur parce que tout autour, là, t'es en dessous, les autres sont en hauteur et tu te fais arroser. Ah, c'était pas évident de passer ce truc tout seul. Et victoire de Rising sur ce premier expédition risquée. Le Bazookarp, mélange les maps, hein. Mélange des maps. Tu es Bazookarp, ouais. Mélange. C'est bon, là tu peux y aller. Je pense. Ouais, je pense que c'est bon. Et regarde, une nouvelle map. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est. Tu vois, je te dis, faut mélanger. Eh, ça marche, ça. Incroyable. Tu es le maître de la manipulation de la RNG. Bah, ça marche en attendant, hein. Quel maître. Non, mais c'est parce qu'il se souvient. Ah oui, c'est vrai, il y a des autres maps en fait dans le jeu. Si tu lui montres pas, lui il va au plus facile, il va à ce qu'il a déjà fait. Bravo. Enfin, j'ai le mec qui fait des théories psychologiques sur. Je te laisse. Sur, hein, sur la Switch. Je vois que tu essayes de développer un peu toute la méta. Bien sûr. Jeu. Moi je suis là dans les menus en général, c'est mon fort. Hein. Ouais, dans les tutos aussi. Les tutos aussi, ouais, je sais pas, ouais. Les tutos, les menus, c'est vrai que t'es pas mal. Ouais. T'as bien taffé. Et ils sont en train de se peut-être communiquer un tout cette petit peu. Cette sirène la et mission Bazookarp, ah ça va être bien ça, et avec le petit goulot d'étranglement. Ouais, là où tu peux pas passer surtout.
Ah mais ils ont à faire un gros morceau quand même là, les Stefresh Rising Moon. J'avais vu quelqu'un touchdown hein, sur ça. Ah j'avais oui. Vu. Ah ouais. Juste pour voir un peu au niveau. Alors les Tartineurs ont battu les Cobus, on savait. Et les GK ont battu la team PGW. Donc on aura notre Tartineur. Bah, c'est en ce moment, c'est en train de se passer. Oh non, ils nous ont pas attendu. Bah non, un match partout. Ah c'est malheureux. Les GK contre les Tartineurs. Mais fallait le montrer. Qui des youtubeurs à succès et du site indépendant centriste. Ah bon. Je sais pas non plus. Remportera la victoire, on ne sait pas. En tout cas. Purée, mais fallait le montrer ça. Les Stéfresh en dos au mur. Bah oui, mais ils ont mis du temps à faire leur match. Oh là 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 là. Les Stéfresh en dos au mur, un bazookarp ici, tout le reste là. Qui le récupérera en premier? Boum. Attention, la membrane a pété. Allez, oh là là. Ça meurt du côté des Stéfresh. 3 à 4. 3 partout maintenant. 3 à 2. C'est peut-être le moment de récupérer. Oh ah oui, là ils sont là bons. Ils sont bons, les Stéfresh. Ils ont la supériorité numérique. Voilà, pion. Ils sont bons. Ah oui, par direct devant. D'accord, je me suis dit peut-être qu'il va prendre le petit. Ah c'est bon, voilà, toi. Ça y est bon. Il y a eu un très très bon choix marqué. Ça va très vite. Est-ce qu'elle réussit à survivre? 50 points marqués. Faut juste quelqu'un devant. Voilà, il y a Slax qui est un peu devant là, qui tente de faire le chemin. Il y a c'est eu pas un mal. De leur côté, c'est pas du mal. Coup, temporise un peu. Il y a Andy de l'autre côté. Ouh là là, la furie, les trucs et tout. Oh là 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 là, c'était dur. Ah, le problème, c'est la pygmalence au bout d'un moment. Hein. Bah la pygmalence, c'est okay, complètement là. Ok, le bazooka est là. Vous voyez très loin de ce qui est en train de se passer au milieu de l'écran. Slax. Là, ça essaye de se régler un peu au centre de la map. Oh ça là là. Par le côté. Mais c'est bien Andy, hein, je crois, qui a récupéré. Ouais, il recule un peu. Oh là là, il a l'air un peu esselé là quand même, mais il tente quand même de zooker. Oh là, cet homme est fou. Ouais, les collègues mettent un peu de temps à venir malheureusement. Mais c'est bien, ça c'est très très bien pour les Stéfresh. Ils dominent ce bazookarp là, il y a une bonne percée. S'ils réussissent à le laisser bien dans sa position. Il couvre toutes les zones là. Ah, attention, derrière il y a eu du jaune, ouais, ça, la menace a dû être écartée. Ouh là là, non, il y a un Firanti qui traîne là. Il l'a vu, ouais. Pion. Oui. C'est cramé. Ah là 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 là. Oh là, je sais pas si t'as vu la vitesse de déplacement. Ce duel à distance. Ah ouais. La membrane, c'est allez, bon, on se saisit. Bam. Les collègues sont devant, bam. C'est bien. La configuration est bonne, il y a deux kills en face. Allez, faut tenter une percée maintenant. Ils vont retenter de monter par là. Brius passe devant. C'est non, bon. C'est bien bleu. Oh là là, c'est bien tous, bleu. Ils sont faut juste là. Pas prendre une vieille super. Oh ah là là, le curling. Le curling qui est passé, le curling de Sebo. Oh là là. Bon, c'est pas grave, il y avait des assises derrière, ils vont peut-être le récupérer, c'est ça. Slax récupère, il marque encore quelques yards, mais il est complètement ouais, ça va, seul. Okay, ouais, c'est ça histoire va de. C'est histoire, histoire de, scorer, de dire, ouais, histoire de faire avancer le schmilblick. Là, ça a juste scoré. Mais ces fraîches sont plutôt pas mal dans cette partie. Ça laisse le bazooka ah, ils vont au centre, peut-être le, ouais, ils vont peut-être il essayer de, ouais, ils vont peut-être essayer de repeindre un peu la map parce qu'elle est bien bleue. Tu vois. Puis ouais, laisser le truc repartir au milieu. Non, il s'en est saisi quand même, mais ouais, c'est vrai que la map était bien bleue là. Ouh là là, attention. Boum. Oh, c'est mort. Oh là là, Pion qui fait le taf. Andy qui se bat et qui essaye d'aller mener tout seul. Oh, attention. Oh là là, quelques frames. C'est Pion. Et Pion hein, dans la mort a réussi à le tuer. Oh là 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 là. Et maintenant tous les bleus sont venus et c'est la fête est finie. Oh là là, levez vos stylos, vous avez eu 2 heures comme tout le monde. C'est ça. Oh ce duel. Ouais, il est où? On ne sait pas. Qui gros versus, oui, un gros versus, oh là là. C'est quelqu'un d'autre qui vient le tuer. C'est beau. C'est Cassie qui avait rien demandé à personne. Voilà, il vient se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Oh là là. Il faut repeindre là. Bah, Andy qui essaie de récupérer ah, le bazooka. Ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir parce que la map est bien jaune quand même. Ouais, donc il y a peut-être moyen. Est-ce qu'ils veulent passer par là-bas ou non? Ils tentent une autre stratégie. Pas encore passé par ici. Hein. Ouais, mais peut-être qu'ils, tu sais, c'est la phase. Là, tu fais genre tu vas à droite. En fait, t'envoies des collègues repeindre à gauche. Apparemment, ça essaye de juste de. Oh là là, et pour ils les sont, bombes. Ils sont les 8 sur la map. Ah là là, oui, non, ah là là, il y a une super au pif et il est parti dedans, Andy. D'accord. Ouais, là, il a pas vu. Manque de vigilance ou je ne sais pas, de communication entre les collègues là, mais
cette super là qui n'avait rien à voir avec Andy a fait le taf. C'est dommage parce que là, les Stay Fresh, ils vont faire repartir le bazooka de l'autre côté. En fait, ils ont même pas besoin de le faire repartir de l'autre côté. Il reste 50 là, ils vont secondes. Le contrôler parce que t'as vu, le malus il est de 50 secondes, c'est-à-dire que il est supérieur au temps qu'il reste. Ouais, là, donc faut il camper. Suffit juste qu'il reste, il garde le bazooka là. C'est beau qu'à tenter de venir assassiner dans le dos et il en est mort. Voilà, ouais, on contrôle, c'est bien. Attention, il y a Andy là-bas. Ouais, petit. Ça oh là là, gauche, non il... Oh là là, attention. Ouh là là, ouais. Moi, je trouve ça un peu dommage d'avoir perdu ce bazooka là maintenant. Slack a un peu trop avancé, trop excès de confiance. Et du coup, il donne un dernier pif à la team Rising Moon. Ouais, exactement. Là où il reste quelques secondes. C'est ça, ils vont avoir peut-être une prolongation. Non, il faut juste qu'ils récupèrent ce bazooka très rapidement. Bon, là, ouais, c'est peut-être mort. Bon. Mix est tout seul, il reste 3 secondes. Mix est totalement tout seul. Ah. Il est même plus motivé à tirer. Je tire un peu dedans. C'est son arme qui a une cadence lente, mais ouais, c'était. Peut-être pas si lente. C'est bleu, hein. C'est bleu. Un partout entre les Stay Fresh et les Rising Moon. Non, j'avoue qu'il a fait quand même un peu le fou, Slax. Hein. Ouais, un tout petit peu. Ouais, il a franchement, fait si Andy avait été aidé par les collègues, il récupérait, prolongation et tuait, ça pouvait perdre. Hein. Du coup, on défense deux zones. On mélange les cartes. Je trie. Je trie. C'est parti, Olibrius, pion. C'est parti, tout le monde. Jirel. Ça marche de mélanger, hein. Et là, c'est la map du snipe, hein. Bon, un peu moins depuis qu'ils ont installé les petits couloirs là, tu sais les filaments là où tu peux t'avancer là dedans. Ouais. Les raccourcis. Ouais, en fait, y a une sorte de raccourci. Elle est intéressante cette map là parce que vous avez vraiment la zone qui est au centre, donc en dévers total. Tout ce qui tire loin est fort. Et en fait, t'as quasiment jamais besoin d'être sur la zone. Tu peux tout faire en étant soit devant, soit derrière la zone. Un bon turbo blaster, un bon snipe était bien. Hein. Donc là, autant vous dire qu'il faut pas, perdre la zone d'entrée de jeu. C'est très important. Et surtout pas mourir, parce que quand vous mourrez, ben mine de rien, le temps de respawn plus le temps que vous mettez à revenir. Dans cette map, t'as vu il est pas très très long, parce que tu peux aller tout droit, tu vois. Tu sais, et tu tombes direct quasiment. Bon, tu perds du temps, c'est sûr. Il y a évidemment peu de temps pour revenir, mais il y a peu de temps pour arriver devant la zone aussi et contrôler, tu vois. Ouais. Et là, il y a deux zones en plus ici. Hein. Là, il y a deux zones. Il y a deux zones. Donc, il faut avoir les deux zones. Oh là là. Et l'importance de ces murs là en hauteur là va être capitale. Voilà. Qui continue de repeindre un tout petit peu. Andy qui va se placer, voilà, ça c'est vraiment le spot du snipe sur cette map. Et il va contrôler, il va repeindre, il va essayer de faire des kills. Ouais, attention, Slack, c'est ce qu'il va l'avoir. Bam. Il repeint les raccourcis pour être sûr de ne pas venir se faire embêter. Et là, il a vu que c'est pas de la couleur des autres. Hein. Ah, boum. Faut bien les deux zones hein, pour que le décompte commence. Faut les deux zones. Boum. Voilà. Allez, avec deux kills du côté des Rising Moon, je pense qu'ils peuvent être bien. Voilà, Andy descend. Voilà, là, et ça là y... ils ont les le deux. Le décompte deux. Commence. Voilà. C'est et bon, maintenant faut contrôler. Ça va Pygma lancer. Évidemment. Voilà. La Pygma lance. Oh, il a tué. Pion de loin. Ouais. Non, Slax, il a tué Slax. Ah, pion qui vit bien. Oh, pion. Pion. Pion qui fait la furie. La furie bombe. Ah, c'est un peu désordonné. Hein. Et ils arrivent pas à récupérer la zone. Tant que t'as pas récupéré la zone, il n'y a pas de malus. Comme je vous dis, hein, le premier qui prend la zone, souvent c'est celui qui est le plus haut. Et après, ça devient un peu compliqué. Mine de rien, regardez-moi ce foutoir total. Les Rising Moon qui sont en train de contrôler très haut. Et bam. Ah là, allez, ça une demi-zone de récupérer. Oh là 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 là. Récupérer l'autre zone est important. Marquer le malus, faut marquer ce malus. Ah, ils n'arrivent pas à marquer le malus, même si Pion survit avec la super peut-être. Oui, ça y est, le malus est marqué. Oh là là. Oh là là, c'était dur. Hein. 51 secondes de malus. Oh là là, Pion a fait une grosse furibombe là. Joue avec la blaster, ok. Avec la blaster, c'est bien. Hein. T'as la bombe, t'as la mine, t'as la furibombe. La furibombe, c'est l'une des rares armes avec la furibombe qui permet de repeindre vite en défense de zone, c'est pas mal. Et t'as vu Rising Moon a récupéré juste après. Alors qu'une bonne furie missile.
Curling tente d'être efficace, mais c'est finalement c'est encore la pygmalence hein, qui est la pygmalence. Oh là là. Ah, tu vois quand ils vont haut comme ça, qu'ils attendent juste ouais, les deux. Ah ça va être dur. Ah, regarde c'est oh beau par derrière. Il l'a vu, il le prend en chasse. Oh là là. Un kill, deux kills. Ah oh, Slack va pas pouvoir s'en sortir. Oh là là. Si, oh là là. Non, et le décompte est maintenant comptabilisé. Voilà, plus de malus du côté des Rising Moon. 27 secondes à présent. Oh, bah oui, bah oh là là. Ouh, la super qui a évité pile poil. Ouais, Cassie, non, pas c'est comme beau, ça. C'est beau qui tue oh là 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 là, c'est dur. Ils sont arrêtés de justesse. La furibombe, ah, mais c'est dommage d'utiliser la furibombe là comme ça. Ah, les bleus qui arrivent pas à récupérer, hein, tu vois. Ça essaye, encore une fois. Ça met super et super, mais tu vois, le nuage récupère une des parties. Oh et ensuite, là, la partie récupérée par le Terrasing Moon que 3 secondes. Ah non! Attends! Peut-être oh le décompte, non. Domination totale des Rising Moon sur cette défense de zone. Ah ouais, c'est leur fort la défense de zone. Ouais. Hein. C'est bien. Bah ouais, la défense de zone, c'est là où vraiment tu vois la coordination à son meilleur. Ah ouais, ça utilise pas les super. Je t'avais dit en plus cette map, ça. En plus cette map, c'est vraiment la map du snipe et avec Andy, ils avaient quand même un petit avantage. Donc bah c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Les Rising Moon qui passent un tour. Il y a eu quoi là entre les Gouak et les... Alors je vais te dire ça tout de suite, les Rising Moon qui se qualifient donc pour les demi-finales ainsi que les Kosaku qualifiés aussi pour les demi-finales. On n'a pas encore l'information sur les autres quarts de finale, mais ça devrait arriver d'ici pas très longtemps. Les deux demi-finales et la finale de ces troisièmes qualifications online pour le championnat de France de Splatoon, c'est dans quelques instants dans la une petite pause. Oui, exactement. Oh, cool. Une petite pause, à tout de suite. Again.
sur le plateau des qualifications françaises pour le championnat de France de Splatoon 2, toujours en compagnie de Monsieur Karaté, avec les demi-finales et la finale de ce troisième tournoi de qualification. Les deux équipes finalistes seront qualifiées pour les quarts de finale qui auront lieu à la Paris Games Week le samedi. Et oui, le vainqueur sera évidemment sidé par rapport à celui qui perdra cette finale. Mais donc, ces demi-finales sont très importantes puisqu'elle va déterminer les joueurs qui seront qualifiés pour la PGW, remportant ainsi leur défraiement, bien entendu, pour la PGW, leur permettant de remporter peut-être ce championnat de France avec un an de jeu Switch offert par Nintendo à la clé. Ok, go, 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 nous allons donc avoir la première demi-finale qui va opposer que ça a donné alors Kosaku face au Overroad. Donc, si je ne dis pas de bêtises. GK et Tartineur là. GK et... Ah oui, c'est vrai que Rising Moon est déjà passé. Kosaku face à Overroad et GK et Tartineur sont en train de jouer actuellement. Et on ne sait pas toujours. C'est disputé. Ça. Hein. C'est ça. Super disputé. On ne sait pas. On est très bien. On est sur de la grosse dispute. Ah là, ça. Ouais, c'est. Bah tant mieux au moins. C'est-à-dire qu'il y a. Ça se vaut le niveau sur. Oh, les Kosaku qui sont Kosaku en katakana. Sauf que. Ah, c'est Kosaku. Sauf qu'il y en a un qui s'est planté et qui a marqué Ko. Au coup, c'est Dany qui s'est trompé dans l'hiragana du Sa. C'est vrai qu'il ressemble. Voilà, ça veut faire l'ancien. Ça veut faire l'ancien, mais ça s'est planté. Dany. Voilà, Dany. Bisbee. Ah, on les avait déjà eus, eux. Les Kosaku. Bisbee. Zaza. Ça me dit quelque chose, ça, Bisbee. Ça dit quelque chose, Bisbee. Ah non, c'était peut-être Bisbal. Dommage. Chez les Useless. Les Ikaraté qui ont donc perdu face au Overroad en demi-finale. Hein. Voilà, les Overroad, les voici. Zaza, Avento, Betch. Oh, c'est des noms. Hein. C'est des gros noms. Zaza. Mais où est-ce qu'ils trouvent tous ces symboles? Jamais Avento. Bah c'est la langue de Splatoon là qu'ils ont inventé, non? Ah là là, ce Mukupi Toh Beji. Veji. Tiens, c'est un vegan. Mukuto là. Et lui, il est avec qui, Mukuto alors? Complètement vegan, je ne sais pas, ça va. Ça va être le pif le plus total. Bon, on va espérer que les autres sont coordonnés par élimination. C'est exactement ça. Mukuto. Un Veji. Ouais. Au couteau, je dirais qu'il est avec les Kosaku, techniquement. C'est pas bête. Je pense, je ne sais pas. Bisbee, non. Bisbee, on l'avait pas vu. C'était Bisbal qui était chez les Useless. Ouais. Ouais, avec tous ces bisbezés. Ah, voilà, c'est ça. Les Kosaku qui ont donc leur troisième ou quatrième joueur, Blaze. Et manque, du coup, normalement... Il en manque un partout. Non, il en manque pas. Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, mais il y en a un qui est en mind game. Le Mukuto, là, on ne sait pas. Exactement. D'accord. Je ne sais pas où il est. J'attends de voir le dernier pour savoir. Sur des snakes. Pendant ce temps, je vais faire... Ouais, mélange les cartes aussi. Ouais, je vais faire une magnifique mélangeation de mélangeage. De cartes. Voilà, avec cette croix directionnelle qui appuie toujours autant sur O. Quand tu appuies à droite ou à gauche. Yup. On attend le dernier joueur. Zaza, Avento, Bitch. EBTV, ça, c'est le spectateur. Ok. C'est un collègue de gradin qui va s'asseoir à côté de nous. C'est ça. Et on manque toujours un joueur. Qui manque-t-il dans la game? Je pose la question. Mukuto. Do you speak calamar? Mukuto est là. Overroad, il me semble. D'accord. Il y a la Overroad. Overroad, Mukuto. Il me semble. Il lui semble. Bon, donc, ça nous avance pas plus. On n'est pas spécialement très avancé, mais... Ibra TV en observateur, c'est ça. Mukupi. Bon, donc, il manque un joueur d'Ekosaku qui doit chercher probablement l'hiragana de ça dans le menu de... Renommage. On n'y arrivera jamais.
C'est Kiki qui arrive, nous dit-on pour les Cossacks. C'est Kiki ? Qui ouais. C'est Kiki ? Je vais presse. Merci. Le voici, Kiki ! Impeccable. Le Kiki de tous les Kiki. Vérifie que le mode est bien activé. Je suis dans les gradins. Kosaku, Kosaku, Kosaku. Toi dans les gradins, Kosaku. Et le reste, l'équipe Bravo, impeccable. Normalement, on est bon. Oui. Donc c'est Dani, Bisby, Blaze, Kiki pour les Kosaku, Zaza, Avento, Betch et Mukto, Veggie pour les. Et Tourjirel pour les Overroad. Overroad. Voilà, on est parti, c'est bon. Overroad. Et la tour Jirel. Voilà, cette map hein, qui. en expédition risquée, je sais pas si on l'a déjà fait en expédition risquée, cette map-là. Étant donné qu'elle est très verticale, ouais. Bah, y a beaucoup de phases d'ascension de la tourelle, en fait. Hein. C'est ça, il faut sniper. Hein. Ouais. Une furie missile, bien entendu. On n'en verra jamais, tu sais. La fameuse. Bah, au final, il préfère. Je pense qu'à la Paris Games Week. Hein. Ouais, il fait, au final, il préfère la Pygma Lance et le Nuage Toxique. Oh bah, ça marche trop bien. Mmh. Non, non, et, furie multicorling, multibombe, très utile ouais, aussi. Ouais, mais généralement, il y a toujours une Pygma Lance. Ouais, la Pygma Lance et un vraiment, nuage ouais. dans une équipe. Mais faut dire que le combo Pygma Lance nuage, il laisse pas trop de place au main game en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est parti mesdames et messieurs, première demi-finale, qui va se qualifier pour la PGW? Oh, ils ont un snipe. Les Kosaku ah, ou les Overroad aussi. Ah, ils m'ont l'air mieux armés les roses. Les Overroad. Les Overroad. Les Overroad. Mais on mieux armé. Alors on va suivre notre VG bon, au sniper. Avec une map qui avantage un peu les snipers quand même. Oh, si tant est qu'il faut quand même savoir. Un peu moins depuis qu'il y a les raccourcis. Enfin, mais... ça touche loin hein, quand même, hein, t'as vu hein. Ah oui, bah oui, c'est le extra lanceur là qu'il a celui qui envoie le plus loin. Oui. Attention. Qui a récupéré la tourelle. Ok. La tourelle. C'est Betch sur la tourelle. Betch. Du coup il a un peu la cible de tout le monde, mais bon. Il l'a fait avancer. Il a fait avancer le débat. Oula, il y a les bulles autour. Ah, il est trop mal. Les bulles, c'est... Ouais, c'est une bonne super aussi, les bulles. Hein. Ah, il s'est fait tuer hein, par Dany juste derrière. On a vu un combo bulle-nuage toxique, ça doit être violent aussi. Mukto qui est toujours resté plutôt derrière et qui, du coup, va, comme on dit chez les Rising Moon, prendre un peu la tourelle. Ah, il se replie. Ah, replie pour mourir. Et Zaza meurt aussi. Ah bah c'est complètement le moment. Ah oui, c'est complètement le moment ici pour les Kosaku de récupérer la tourelle. Il y a eu tellement de morts. Trois morts quand même. Dans et là, l'équipe. Ils sont bien, ils vont pouvoir progresser. Overroad. Il a pris un coup, deux coups, il a encore envie. Hein. Oh, c'est bon, ils l'ont eu le Avento. Avento. Ah, toujours envie aussi, mon couteau, alors qu'il a pris trois attaques. Oh là là là, bien joué, là, il a fait le ménage. Il a peut-être fait une petite furie, non? Voilà, la furie est lancée. Ouais, bien éviter la bombe curling en attendant. Hein. Oh là là, ouf, ouais, ils sont bien. Là, le deuxième checkpoint. Ah là ça là là, le décompte. De fuir sous la menace. Juste revenir dessus, c'est fait. Ah encore là un là. Tout petit peu, ça y est, deux Kiki, checkpoints touchés. Oui. Le Kiki, oui. Ouais, mais il y a Kiki qui est toujours dessus. Face à Mukto Vigi. Oh, Mukto Vigi qui les a stoppés net. La mort aussi juste après. Ah, c'est violent, il y a une mort hein, d'un côté, ça meurt de l'autre, quasiment tout le monde est mort. Du coup, Belch récupère la tourelle, il est un peu tout seul, c'est le seul survivant. 45 à 73. Le Mukuto no Ken. Oh là là. Il va tenter d'aller faire sa super. Voilà, boum. Parfait. Oh là là. Dommage qu'il n'ait il a pas touché Dany, mais la tentative est fort louable. Waouh, parade. C'est quoi? C'est le rideau de douche. Oh, ce duel pinceau contre. Ah bah y a plus personne. Contre rouleau, y a plus personne. Y a plus personne, tout le monde est mort. Que des doubles bords. Du coup, la tourelle repart au centre et on note du coup un avantage pour les Kosaku. Ouais, mène à 45. Le stand mobile repart au centre. Oh là 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 là. Oh, c'est. On sent qu'ils se précipitent hein. Pas mal les Omega Road hein, pour aller récupérer cette c'est tourelle. C'est quand même beaucoup vert, hein. Ça va être dur de revenir. Ah, oh, tu là vois, là. C'est là où on voit que la super est pas invincible. Ouais, ouais, il s'est élevé, mais il n'est jamais redescendu. Observons un peu de sniper en activité. Comment est-ce que ces gens font sérieusement pour jouer au jeu? Je sais pas, c'est technique hein, le sniper. Je sais pas, t'as vu, tu passes en vue première personne à un moment, ça charge longtemps. Ouais, c'est avec le zoom. T'as vu, regarde, c'est violent.
Ah là 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 là. Oh là là. Et les roses qui sont en train de revenir. Un tout petit peu. Non, c'est bon. Ah, c'est super compliqué. Betch est tout seul là face à son sniper là. Oh là là. Et il va prendre le shortcut. Tu vois le shortcut. Ah, oh, il l'a tué quand même. Oh, bien joué. Hein. Oh, magnifique. Et attention là. Boum. Ah non, il l'a pas. Oh, il aurait pu faire un troisième. Il a pas eu. Oh, la furie bubule. Marcel Bubule. Qui est complètement là. Hein. Marcel Bubule. Il est là, mais c'est pas lui qui s'occupe de la tourelle. Du coup, bah la tourelle. Bah il contient bien les avancées, les tentatives de retour des roses. Bah là pour l'instant il mène hein, les verts donc. Oh ça tue encore. Oh ce snipe magnifique. Toujours en mouvement, hein, toujours. Le kiki de tous les kiki. Fra. Oh il lâche rien. Il lâche rien en effet. Zdra. Oh là là c'est Stalingrad. Oh ça y est c'est bon il s'est fait. Il s'est fait enfin tuer. La tourelle est toujours au centre. Voilà. Allez, Zaza va essayer de récupérer. Snipe, voilà, c'est leur moment normalement. Voilà, activation, boum, boum. Bah, il y a Danny derrière. Il y a Danny derrière. Il y a Danny derrière. Il y a Danny qui essaye de le tuer. Oh là là. C'est pas bon. C'est complètement pas bon. Le Mokuto. Ils vont jamais réussir à revenir les roses là. Fury bombe. Oh là là, oui. Ah, et tu vois, il y a ce mur là. Il y va là justement, le rouleau, pour aller un peu dénicher. Les éventuels retours, et là c'est bien ce qu'il a fait, ils vont pouvoir avancer grâce à ce douche, mouvement. Malin. Voilà, et ça y est, les roses qui mènent. Oh là là, ah, bien joué. Belle coordination. Ah, il a suffi qu'une fois, le snipe, il meurt. Ah dommage, il n'est pas réussi à mettre le rideau. Ouais, mais je pense que c'est bon, il est devant, donc il s'en fout un peu. Il n'a pas réussi ils à mettre le... Ils regarde, ils font la fête, là, ils savent que c'est quasiment gagné à 5 secondes de la fin. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Bam, la super. Bah, le snipe est mort, tout simplement. C'est ça, bien joué, mais oui, mais c'est ça. Dès qu'ils ont tué le snipe, bah c'est bon, ils ont pu progresser. Après, le rouleau est parti monter sur le mur pour prévenir toute tentative... d'arrêt de l'expédition et voilà bah c'est bon. Les Kosaku menaient vraiment toute la partie. Mais ce qui compte c'est mener à la fin. Et ce qui compte c'est mener à la fin. D'ailleurs on peut le voir ici d'un point de vue du nombre de kills, grosse domination des Kosaku. Mais bah oui mais bah oui bah qui fait pas avancer la tourelle. C'est ça. Eh bien ça ne gagne pas. Un bon exemple en tout cas de comment est-ce qu'une partie peut glisser des mains. Tel le Bazookorp. C'est ça. T'as mélangé les maps? Bien sûr. Et gymnase en crash. T'as vu? Dès que tu mélanges pas, hein, dès que tu mélanges pas. Tu vois ou pas? Du coup, gymnase en crash. Eh bah oui, bah t'as pas mélangé. Gymnase en crash. C'est toujours de ma faute de toute façon. Ça, ça l'est. Pas possible. Aucune tolérance, rien. Les Kosaku sont chauds. Hein. Direct, ils ont réappuyé. Ils s'en veulent, tu vois. Ça, ils l'ont perdu. Ça veut tuer le bazooka. Ils vont aller au touchdown. Ils sont dans leur guac, du coup. Bah, Et ça mélange pas. Et la mission Bazookorp. Le Bazookorp. Ouh, ça a pris l'éclat blaster en face. Hein. L'éclat blaster, le proxy blaster, que dis-je. L'arme du mal. L'arme. Alors on va suivre Kiki un tout petit peu, on va voir si en bazooka. Kiki, oh là, dans cette map, non, dans cette map, il peut être formidable Kiki, mais ce mode, cette map, il peut pas faire des miracles. Je ne sais pas. C'est pas possible. Oh là là, il a pris cher à Venko. Oh la Pigma lance. D'accord, maintenant qu'il a pris super, il se dit on va récupérer. Et ça récupère. Et ça y est, le bazooka. Il est seul, mais ça tient. Il y va, tranquillement. Bien appuyé. Voilà, bah il y a personne. Ah, okay, le barbouilleur. D'accord, c'est bon, bah voilà. C'est bon, le barbouilleur l'a eu. Zaza a mis fin à la blague. Oh, l'autre il est arrivé direct, il a piffé un curling. Il se savait condamné. Jamais sans mon curling. Oh là là, il est là, il est avec Betch qui avance. Mais ouais, il y a un gros turbo blaster là qui empêche et la pluie. La pluie de Blaze. Attention là, les Kosaku ils vont récupérer. Ouais, ils en veulent vraiment. Et pas loin, ils sont pas loin de. Ah oui, ils en veulent vraiment, ils en veulent ils vraiment. Pas loin, mais. Ils attendent juste de se remettre un tout petit peu ah, il va en faire formation. Il va peut-être essayer de faire, mais là attention, là, oh là, ils lui ont touché. Belle fuite vers l'avant. Vers l'arrière. Voilà. Et récupération de bazooka. Bon, à 3 contre 1. Là, ça pas. Ah ouais, Bisbee, il fait le fou là quand même. Ah ouais, là, il était. S'il te plaît, monsieur. Ambitieux, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ah, la Pigma lance. Est-ce que ça va Pigma lancer? Non, pas encore. Ouais. Ah non, c'est bon. Je restais bien loin. Ça y est, Pigma lance. Oh là 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 là. Oh là là. Ce bazooka qui est pris en chasse par la Pigma lance. Ouais, il essaye là. Oh là là, Avento. Allez, c'est le moment de scorer, ça y est. Allez,
C'est IA, ils peuvent mener là, attention, non c'est bon, il y a quelqu'un qui est venu. Ouh là là, est-ce qu'il va essayer de le tuer, le Blaze qui veille. Oui, ça y est, ah là là, pourquoi tout seul, pourquoi tout seul. Eh, tu vois, tout seul, il va pas marquer les points nécessaires là. Ah ouais, mais il y avait Bisby qui menait avec le Turbo Blaster, hein. Bim, ouais, c'est lui. Boum. Oh là 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 là. Il est où le truc? Oh, faut l'éclater là. Ouais, il y a l'air d'avoir du vert là dans le coin. Oh là 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 là. C'est bon. Oh là là, ils peuvent avancer. Et on essaye de mener ici. Il commence à avancer. Ah dommage, il est mort. Ah ouais. Il est mort en quelques frames. Mais derrière, il y a Betch qui pourrait récupérer. Le truc, c'est qu'il est à 2 contre 1. Regardez, oh c'est pas facile. Hein. Ouais, attends, d'accord, ok. Il fait le tour. Il fait cramé ou pas? Il fait cramé ou pas? Ils l'ont laissé? Je sais pas. Ils l'ont laissé? Je ne sais pas. Il est complètement, il est complètement seul. Regarde, il va sortir de nulle part. Voilà, non. Petit curling. Oh là là, il récupère le bateau carte. Il récupère le bateau carte. Il est Oh, ça y est, c'était le meilleur hold-up de l'histoire. Oh, le vol. Ah oui, ça y est, bim. Oh, le vol est parfait, c'est magnifique. Magnifique. Superbe victoire. Tu rends le bazooka disponible et d'un coup, t'as un orange qui sort de nulle part, qui vient de le récupérer, il fait salut, il se barre, il va touchdown. Génial. Génial. Ah, ils doivent être dégoûtés. Le beau jeu. Ah, on dit qu'il y a eu une déco. Il y a eu une déco. Demande aux orgas s'il y a eu une déco ou je sais pas. Bon. Ou... Je sais pas, c'était peut-être à la fin, non? Là, je vois rien. Ils disent quoi? J'ai rien vu du tout, là. J'ai rien vu du tout. Rien vu. Rien vu, on me dit rien. Ah, ici, reste dans le lobby. Je pose la question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déco ou pas déco, le move de la fin? Ils sont 8 là. Ah non, mais ils sont 7. Le rouleau vert. Il manque un joueur. Hein. Oui, il manque un joueur. 1, 2, 3. Mais elle est intervenue 6, quand cette 7. Déconnexion? Je sais pas. Attention, du c'est tout. Une demi-finale. On joue la qualification. Là, c'est très serré. Très sérieux. Le rouleau vert. Déco à la fin? À la fin, bah à la fin, c'est mort. C'était Dany. Mais c'est intervenu quand? Dany. Ce cambriolage. Ah oui, belle cambriole. Oh, le move était superbe. C'est dommage d'annuler ça. Le ninja Lamar, hein, le meilleur. Invisible. Ça a touillé les maps. Je demande évidemment ce qu'on fait. Je vois avec les capitaines. Mais si c'était après 2 minutes, normalement, il n'y aura pas de rematch. Ok. J'attends. La confirme. J'attends la confirmation. On attend hein, pour voir hein, si le sort de ce match est scellé ou non. Mais oui, malheureusement, une déconnexion est bien... Ah, Dany qui revient. Dany, c'était Dany. Les Kosaku, oui. Du coup, les Kosaku, ils ont perdu. Évidemment, sûrement à cause de leur déconnexion, c'est sûr que c'est moins facile. Mais bon, là, le move était intéressant. Tu touilles, hein, toi. Ouais, je touille. Tu touilles. Alors, j'attends encore. Ok, je parle avec la tête. C'était à 1 minute 20, apparemment. Dans ce cas, il y a rematch parce que c'était avant 2 minutes. On lance la partie. Ok. Eh bien, écoutez, on va voir un deuxième mission Bazookorp. Merci, tonton. Je vais remettre tout le monde dans l'équipe. C'est devenu le bordel. Ouais. C'est le bordel. Et le BTV qui va jouer aussi. Hein. Oh là là. C'est tellement devenu bordélique. Je les ai bons là. Non. Mais mets-nous dans les gradins. Voilà. Impeccable. Ah oh, bah tiens. Ça mélange de stage. Et bizarrement. Manta Maria. Manta Maria. Très bien. En bazookarp, ça va être voilà. Marrant. Les connexions intervenues à 1 minute 20 avant les 2 minutes de match. C'est l'huissier de justice qui l'a dit? C'est les règles. Ok, bon bah c'est parfait. Dommage, parce que c'était marrant cette petite à la fin là. Par contre, il me semble qu'il n'y a qu'une déconnexion qui est permis en cas de deuxième déconnexion. Bah, c'est un peu. Ah oui, comme c'est le faux départ ouais, ouais. Les Jeux Olympiques. Cas de deuxième déconnexion, les mecs, si tu déconnectes tout le temps, c'est que tu peux pas jouer. Tu comprends? Je t'aime bien.
le bazookar pendant cette map avec le goulot d'étranglement. C'est le gars, il dit ça à toutes les maps. Il y a un goulot d'étranglement. Oh là là. Avec un bazookar puis qui se trouve en dessous, hein, là, comme vous voyez, en dessous du FOMA. Et les équipes qui donc se rapprochent. Allez, est-ce que les Kosaku vont enfin pouvoir gérer ça? Notre voleur, hein. Bitch. Notre voleur préféré. Bitch des Overroad. Oh là là. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais on y va. Retourne. Avec le petit curling pour avancer. Le meilleur voleur. Oh là là. Il s'est fait intercepter dans le dos. Mais ils ont marqué les premiers points quand même. Ici. Oh là 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 là, le barbouilleur au corps à corps. Ouais, ça c'est dur, hein. Et Zaza, qui en plus défait le bazookar. Non, ils veulent plus avoir. Ah, ils peuvent progresser avec le bazookar, peut-être. Oui, c'est fait. Avento. Avento juste devant les. Oh, gros snipe là. Oh, il s'est fait kikifier dans les airs. Ouais, c'est ça. GG à Kiki là. Complètement stoppé net dans son plongeon. C'est Kiki qui. Kiki est le Kiki ou qui est le Yuki. Oui, il a plus de malance. Oh là, à travers les murs. Aïe aïe aïe. Ouais, plus de malance pour laisser B avancer. Boum. Ils ont marre les Kosaku, eux aussi ils veulent marquer. Ouais, aussi ils veulent marquer. Oh là là, il n'y a personne pour intervenir. Est-ce qu'il peut marquer? Non. C'est le guac absolu. Mais laissez-moi marquer, laissez-moi marquer. Bon, ça peut quand même terminer. Il y a Kiki qui est juste derrière, qui va marquer peut-être. Non, encore intercepté. Toujours pas. Pixel. Oh, c'était tellement chaud. Ils en veulent après cette déconnexion. Là, ils veulent montrer qu'ils n'ont pas déconnecté pour rien. Ils veulent vraiment tuer. Il reste un yard à parcourir. Ah, faut le planter. Hein. Là, il reste plus qu'à le planter pour les violer. Oh, ça, reste ça a l'air compliqué. Hein. Oh là là. Ah, il tire dans les airs, lui. D'accord. Ok. Il tire en cloche. Je sais pas pourquoi, mais peut-être. Pour que ça retombe au plus. Tu sais. Oh là là, là-dedans la mélasse. Dans la mélasse avec trop d'adversaires. La bombe en face. Le truc c'est que là il reste quand même 3 minutes hein, et tant que ces 3 minutes sont pas passées là. Et en une furibombe encore, une furibombe collante. C'est pas Blaze qui va récupérer ça, ils sont bien là les Kosaku. Blaze Matuidi. Ils ont complètement libéré l'espace. Et ah mais à un point là ils ont tout repeint et ils vont contrôler maintenant. C'est bien. Oh là là, Vento qui meurt sous les coups de Danny. Il domine là les Kosaku quand même, même sur les kills il domine. C'est Big B en plus qui récupère ça, ils ont pas beaucoup d'espace à marquer. La map est bien orange, joué. Complètement orange. Là. Et la petite malance. Oh là là, t'arrives à proximité, tu te fais le direct. Ils lâcheront jamais vraiment, le saut n'est pas raté. Oh là là, il se cache. Oh, voilà. Il a été cramé quand même par Zaza. Ah, ouais. Et Zaza qui a besoin de se défendre de Danny aussi. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, aïe, il n'y va pas. Avento revenge kill, oui. Avento et le proxy blaster. Ça, ça fait tellement mal au corps à corps. Bim, 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 bim. Oh là là, ça a explosé tout en deux frames. Il reste 33 à parcourir pour eux. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Faut qu'ils le plantent là, sinon leur destin. Ah, c'est complètement ça, ils sont obligés de le planter. Sinon, après, ce sera défense de zone. Hein. Surtout que là, ça joue défensivement à mort en face. Ouais. Ça va être compliqué de le planter. Mais bon, si jamais. Tu sais, ils sont tous au même endroit, qu'ils se font tous tuer par une vieille super. Ouais. Ça peut arriver. Ils avancent progressivement. Ils vont essayer de passer par là. C'est sûrement le plus risqué. On va voir si ça arrive. Voilà. Le ouais, saut. Évidemment, il attendait direct saut en de haut la Dany. Foi. Ouais. Et Dany était là. Hein. Ah, ils sont 4 autour du bazooka. Regarde, et c'est tout jaune partout. Hein. Oh, ça va être dur. Oh là là. Toute la zone centrale est jaune. En plus, il y a la Pygma Lance qui appuie. Oh là 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 là, il s'est fait eu là. Aïe, non, il est pas mort. Oh là là. Ah, ils vont jamais repérer le bazooka à 50 secondes de la fin. Boum. Ah, bah on dit ça. Ça y est. Une petite grenade dans les pieds. Au pif. Au pifu. Oh là là, bien joué. Et la furie du hamster. Ah, il va essayer d'avancer un petit peu voilà. Avec ça, c'est pas mal. Le repli avec un bazooka. Bien, ça fait le derrière. Chemin pour les collègues. Le bazooka, il est où ah, il est là. Ah, il s'est fait bête. Il s'est fait Ned. Zaza derrière pour le récupérer. Allez, c'est bon, Zaza a récupéré le bazooka. Oh là là, oh là là, mais maintenant, oh là, c'est quand même assez rouge. C'est quand même assez orange. C'est orange. 28 secondes de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un collègue là pour pouvoir récupérer? Il y a Betch tout seul. Betch le vole une deuxième fois. Oh là là. Il s'est fait Dany au rouleau, toi, tu fais pas de déco. Ah, ils sont tous, ouais. Après ils sont tout seuls, regarde suicidé, monsieur. Ah, regarde, 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 évidemment oh, que le suicide. Évidemment qu'il se suicide, il va faire perdre le temps.
Définis le temps, regardez cet écran noir. Que ça, ça revient au milieu, mais ils l'ont. Ils ont droit à un dernier. Est-ce que ça a été le bon move? Bah, ça permet au moins qu'ils le reprennent plus loin. Oh. Et bam, Kiki qui fait le dernier kill. Et donc, un partout grâce on notera à ce... l'importance du sniper hein, chez les commandes. Ah, et l'importance aussi dans la défense de zone. Hein. Là, ça va être. Ah, mais ce sniper. Oh, Danny, il a fait 17 kills là-bas. C'est sûr que quand il est pas là. Il est overroad, pas. Il a fait 17 kills, Danny, avec son rouleau. Donc, c'est dire si la déco a pesé juste avant. Ouais, j'avoue. Tu as mélangé. J'ai mélangé, je peux y aller. Et tour Jirel. Ok, donc ça va être la même défense de zone avec les deux zones que l'on a vues juste avant. Et re un snipe en face. Et un bon snipe, hein. Et un très très bon snipe. Très très bon snipe. Donc ils partent avec un petit avantage, l'équipe Alpha. C'est l'équipe Kozaku. Et... ici tout est prêt. Avec un Turbo Blaster, après ils peuvent faire le match-up avec un Turbo Blaster, mais bon, faut voir s'il est en forme ou pas. Hop, je remets mes cheveux en arrière. Magnifique mouvement. Superbe. Et donc ça a donné quoi alors GK et Tartinateur là, ça c'est bon là, ils ont fini de jouer quand même. Le suspense est insoutenable. Qui l'a emporté entre les GK et Tartinateur? C'est les Tartineurs. Oh, oh là là là, mais ce parcours 3 tours par. Et là ils jouent contre qui? Ils jouent les Rising Moon. Bon, bah, ils sont morts, ils sont morts, mais ils nous ont enferré. Il y a Guacrémy quand même et Écurisson. Et Guacawell aussi. Ça peut pas perdre. C'est dommage, je pourrais jouer, j'aurais été avec eux, on aurait tué les Rising Moon easy. Mais bon, tu te dois pour voilà. La communauté, c'est ça. De commenter ce tournoi. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais bon, on est de être au bois qu'au moulin. C'est ça, exactement. Ouais. Défense de Zaune. Les Tartineurs, hein. Les Tartineurs, c'est la JVTV un peu. Hein. Quelque part. Mais non. C'est parti. C'est parti entre les Overroad et les Kosaku, ouais. C'est la manche décisive. Et on va voir ce qui va se passer. Qui va prendre l'avantage? Je dis, hein, boum, prendre l'avantage ce kill déjà. Prendre l'avantage rapidement. Avec Kiki, ils sont bien. Ah, j'avoue, Kiki. Kiki ouais. Recule pour tuer, c'est ouais, mais... tellement stylé. Ouh là là, ils ont les zones. Ouais. Hein. En fait, comme je t'ai dit, prendre rapidement le centre, c'est très très bon. Et là, c'est quand même les Overroad qui ont pris le centre. Et Kiki doit marquer du kill. Voilà, j'ai cru qu'il avait glissé malencontreusement. Non, il a arrêté le décompte. C'est bien ce qu'il fait. Et la furie, des bubules. Voilà. Oh là là, il s'est fait tuer. Mais ils ont pris toutes les zones grâce à lui avant de mourir. Zaza. Ouais, il se fait attendre à la réception. Oh non, c'est bon. Là, ils ont un petit malus, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez que les zones sont bien vertes. Et Gbej va essayer de les laisser vertes. Kill. Oh, là, 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 là. Kill. Ah, il a plus d'encre. Aïe, aïe, aïe. Le manque d'encre. Et hein, boum, c'est la super pour repeindre la zone. C'est malheureux. Avento face à Bisbé. Avento recule. Et c'est les bleus qui reprennent à présent le centre de la map. Je disais ça, mais regarde à quel point ça revient. Mais ouais, qui est celui qui peint en vert autant là? Bah, c'est Zaza là avec son barbouilleur. Il barbouille. Oui, il s'est fait repérer, il le sait. Il préfère backdash, c'est bien vu. Normal. Ouais. Ça descend toujours. Je repars. Il a un petit circuit de. Ouais, c'est ça, il est. Oh, oh le là là. Barbouilleur oh, contre oui, barbouilleur. Il s'est fait eu. Oh là là. Ah mince, Dani qui a pris la saucée. Malheureusement. Ouais. Et Betch il continue hey hein, de marquer oh, des il points. A tenté un pif pour déloger Kiki là. Oh il a essayé de repeindre au rouleau mais c'est bizarre sa oh façon là qu'il là a eu de repeindre au rouleau. Il le voit efficace duel. Ah Kiki, est-ce qu'il va se faire U? Ouh là là, ce il descend quand duel. Même. Hein. Ah il descend. Ah, il juste histoire de repeindre. Il fait le dingue. Ah, ils sont pas mal en retard quand même, Déco. Non. Qu'est-ce oui. qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il bouge plus? Ah non, ah non, c'était juste comme ça. Peut-être il parlait. D'accord. Peut-être il parlait dans d'accord, le casque. Il avait même pas besoin de jouer. Okay. Ouais, il parlait aux collègues peut-être dans le casque. Et comme tu peux pas parler en même temps jouer, il préférait s'arrêter. Je sais pas. C'est oh là là, le hamster, oui. Non, il s'est mis là juste pour la téléportation. Hein.
Et les verts qui mènent, mais de pas grand chose, hein. Ouais, et là, oh le chrono... là, 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 wow, la récupération c'est... grâce à Avento. Ouais. Avento va tirer sur le kill ici. Non, il s'est fait sidnet par le choc chromatique. Et Dany qui récupère le côté. Ah là là, 132, 67 ouais. à 51, c'est très serré. Oh là là, okay. Tu tentes une percée et tu meurs. 51, pour l'instant, c'est les verts. Ouais, mais à chaque fois, là, les zones sont reprises les unes les autres. C'est très confus. Les verts, c'est les overworld, les overworld. Et les Kosaku sont en bleu, hein, parce que c'est le kiki, le kiki. Il attend bien, hein, t'as vu avant de tirer. Hein. Et... Oh là, oh là, là, mais là, regarde là, le combat quoi. De sniper entre Mukuto et Kiki. Encore, il hein. se tourne. Il attend. Hein. Il se tourne, il se tourne. Tu vois, ils sont bien devant, hein. Il voit qu'il domine, donc lui il a pas besoin de tirer, il a personne sur tirer. En fait, tu vois, le décompte est là, il a pas besoin de jouer. Hein. Lui, il attend que les mecs reviennent. La pluie. Et ensuite, il tue. La pluie de bombe. Oh, ah, ça reprend pour les bleus, il faudrait reprendre de l'autre côté aussi. Oh, Bisby, il est bien, lui, il est en bas, il fait les kills. C'est ça. Il veille sur les zones. Il est un peu comme le pion là sur le dortoir. Il attend. Ouais. Oh là là, oh là là. T'as vu, il a mis la super. De, hein. Ouais, il a tenté de supérer dans la l'élimination, mais ça a pas suffi. Boum. Ah, ça a l'air de difficile de viser comme ça. Boum. Derrière le rideau, impossible. Le rideau, ouais, c'est pas. Plus personne n'a les zones. Sinon les airs, normal. Voilà, c'est gratuit. Ah, là, enfin, bon. Il s'est fait tuer par Betch qui allait le déloger Betch. Parce que. Oh là, le choc chromatique contre choc ouais. chromatique. Et attention, hein, ouh là 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 on a vu ce qui s'était passé quand Kiki était mort le dernier coup. Ça avait ouais. totalement tourné en faveur des Overroad. Et là, ils tiennent le coup. Ouh là là, ouh là là. Même. Boum boum boum. Avento, le Enzap. Oh là là, il a voulu traverser ses PU par Kiki, hein. Kiki, ah, c'est la map du snipe. Hein. Je te dis, ils avaient un avantage. En plus, Kiki, il a l'air chaud. Oh, c'est bon. Bisby qui passe. Il va essayer de repeindre. Mais ça repeint pas des masses. Hein, 46 de malus quand même. Et non, hein, c'est toujours les verts qui sont dessus. Attention, parce que l'on arrive à 22 secondes de la fin. 20 secondes de la fin, il faut absolument garder. La Zuber. Ah, explosion. Voilà, faut enfin, juste qu'ils leur fassent perdre la zone. C'est ça qu'ils essayent de faire maintenant, les Kosaku. Ah oui, c'est bon. Ils ont repris. Ils ont repris là les bleus. Oh là ils ont là pas repris. Oh, ils ont juste arrêté le décompte. Ça le problème, c'est qu'il faut pas arrêter le décompte. Faut vraiment reprendre. Allez, pour la prolongation, les verts sont toujours dessus. Hein, face la au Kosaku. Du guac. Oh, ça va être tendu. Là, ouais, Kiki qui est mort en plus. Brèche est toujours en train c'est de contrôler. Vert. Personne tire sur les buts. T'as vu, personne tire sur les buts. Brèche est tout seul. Oh, un choc chromatique juste en dessous. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer tout? Non. Il y a Vento derrière, plus le VG. Oh là là. C'est tellement solo. 46 secondes sont en train de descendre. Le chrono, s'il tombe sous les 31, c'est terminé. Oh, ce serait phénoménal quand même. La furie de Bisby qui arrête. Le chrono est arrêté, mais c'est pas terminé quand même. Bleu. Vert, bleu, oh, vert, bleu, vert, oh, c'est les verts. Ça semble être les verts. Ça semble être les verts. Oui. Ils sont tellement tous les verts. Oh, ils vont 32, gagner, ils vont gagner, ils vont gagner. Et c'est fini. Oh là là. Et les Overroad qui passent à la prolongation du guac. Ah, mais ce bras de fer. Et le Kiki qui peut s'en vouloir. Il a perdu avec son snipe. Aïe. Ce bras de fer. Dommage. Magnifique, hein, les Overroad qui se qualifient pour la Paris Games Week. Ah, c'était tendu. Hein. Franchement, superbe. Absolument superbe. Mené, mal mené, hein, oui. Snipé. C'est vrai. Je sais pas, ils ont tenté le tout pour le tout et à la fin, il y a une espèce de cohésion où tout le monde tirait la super au milieu du truc. Fallait tenir 10 secondes et ils ont tenu 10 secondes. GG à eux en tout cas. Le chaos à la fin, dans le chaos des esprits. C'est vrai que c'est, oh là là. C'est vrai que c'était bien chaotique. Les stages sont mis à jour, merci beaucoup. On va lancer donc la deuxième demi-finale entre les Tartineurs et les Rising Moon. J'ai hâte de voir cette grande finale. ça sent la arrête, fin. Arrête, commence pas. Il hein. y a un moment. Il y a un moment, tu inities un mouvement populaire qui est suivi des gens qui croient en toi. Et toi, tu ne crois pas en eux? Si, j'y crois en eux. Mais ça peut pas empêcher de dire que, quand même, les Rising Moon partent favoris. C'est la triste vérité. Certes. Allez, on est reparti du coup pour donc, un nouveau Guac Rémi. Guac Kawel.
tout cas, ça fait plaisir. Au moins, ils ont tué les GEK. Je veux dire qu'on est devant. Wolf, ah ouais, Wolf, il est très fort aussi. Voilà, exactement. Franchement, les Rising Moon ont eu un parcours super difficile. Mais les Tartinors aussi. Beau. Et ils sont au même niveau maintenant. Et ils vont jouer pour la qualification. Firenti. C'est important. Andy. Et Binx. Après, tu me diras, Andy, un peu Wack.fr aussi. Oui, bien sûr. Dans donc son finalement, il y a un peu ton équipe partout. C'est vrai. C'est un frère. Il a été Guac, hein. Quelques frames. Hein. Comment on devient Guac quelques frames? En fait, c'est quand tu as pas de team, quelques frames, on te dit, viens, on a joué, on a fait quelques parties ensemble sur le 2 au tout début. Il était Guac à ce moment-là. Et après, il s'est fait recruter par Rising Moon. On nous a tourné le dos. Et voilà, non, il nous a pas tourné le dos. On lui a dit, vas-y, si tu penses que là, ils sont restés, on reste avec toi. La porte sera toujours ouverte. Il n'a pas. Vol de tes propres ailes. Il n'a pas récompensé celui qui lui a tendu la main quand ça allait mal. Non, mais il n'y a pas de. Ça allait pas forcément mal tout de suite. Gros mercato. Allez, ils sont là. Guac Rémi, Guac Kawel, Écurisson, Wolf face au Rising Moon dont on attendait la qualification dès le premier match, mais peut-être trop de pression dû au nom. Tu penses ? Peut-être pas, oui, dû au nom, au classement en général. Ah oui, à la fame. À la fame, voilà. La pression. ACD. Quoi qu'un jour, quoi que toujours, il est vrai. Rémi sans famille face à Andy et toute son équipe. Les joueurs sont là et j'ai choisi la défense de zone comme un sac à merde. Implique que. que voilà, qu'il y a eu un partout ce avant. Qui implique que je ne peux pas retourner. Voilà, donc je vais faire n'importe nawak. Merci. Le beau jeu. Voilà. C'est magnifique, équipe OK, voilà, on retourne au hall et on recrée tout. C'est beau. Mais c'est cette histoire, ça m'a ému. Tu penses ? Ouais, ça m'a complètement ému, je pense. Comme je te comprends. Cette histoire sur Andy, l'émotion était totale. Je me suis planté. Voilà. Désolé, hein, les gars. Les menus, c'est un match-up toujours. C'est l'handicap. Non mais tu vois, l'expédition risquée dans la défense de zone, en fait ce que j'ai dû c'est appuyer en bas, tu vois, et ça a fait flat, tu vois, comme ça, t'as vu, un truc comme ça, je pense que c'est ça, du coup je... C'est pas mélangé. Non, je mélange pas. Ça sent le gymnase ancrage. Voilà, je mélange plus. Oui, non mais je me suis planté. Ça arrive même au meilleur. Je me suis planté. Ça arrive au pire aussi. Non mais j'aime bien faire monter un peu le... J'aime bien faire monter. C'est quand même le match de la JVTV quelque part. Andy, si la JVTV à la Paris Games Week, en plus en battant les Rising Moon. La JVTV. Ils ont été rebaptisés JVTV. C'est comme ça. On a décidé. Ok, donc nous, on est dans les gradins. Sebo, équipe alpha, bêta. Bravo. 1, 2, 3. Tout va bien ? Tout est sous contrôle ? Oui. Maître Bergès ? Oui. Et bien ce sera sur un Serre Goémon. Oh, magnifique stage. On l'a pas vu en expédition risquée celle-là. Ah non, mais avec la Pygmalion, c'est complètement de ressort. Ça veut dire quelque chose. Mais est essentiel, ouais, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a le couloir là à la fin, le couloir de la mort, où tu dois vraiment être derrière, tu Pygmalion et c'est bon, le mec peut partir vers la victoire. Pygmalion, ouais, parce qu'elle tient pas. C'est vachement bien la Pygmalion. Je sais. Tu devrais la jouer plutôt que la jouer. Je t'ai mime avant. Mime ? Ouais. Comme monsieur ? Non, comme Imati. Imati mime ? Ouais. J'étais le mime Imati. La ressemblance est frappante. T'as vu ? Écurisson, t'as fait. Pour l'écarissage. Allez, Écurisson, Kawel, voilà, Rémi. Là, il motive les troupes, je le connais, Écurisson. Il dit, les gars, on lâche rien. Et après, il appuie sur le bouton, tu vois. C'est ça. Mime. C'est ça. Expédition risquée
sur la serre. Premier match de cette deuxième demi-finale après la qualification des Overroad. Oh, ils sont en short. C'est parti. Ah, ah oui. Cette tour, elle est bien au centre. Ils peuvent pas perdre, ils sont en vert, couleur du wack. Ils peuvent pas perdre. Ah, j'avoue, on va suivre Wakrani qui boum, est déjà mort. Tu vois, je t'avais dit. Écurisson déjà mort. Ah. Wolf qui est déjà mort. Ouais, mais regarde, et Kawhi qui est tout seul. Ça mène. Voilà, ça mène. Et qui mène. Il mène tout seul, mais il mène. Voilà, ils ont mené 5 secondes avant que Andy récupère la plateforme. Bon, bah voilà, c'est fini. Hein. Et Andy qui récupère la plateforme et qui vient d'en tuer deux là, un coup de sniper. Il attend hein, sur le point de. De non-retour. Sur le point de ralliement. Ça passe par en haut hein, du côté de Kawhi. Ouh, la pigma lance. Voilà. Oh, la pigma lance encore une fois. Dans le goulot des tremblements. Voilà. Oh, il est tout sur moi. C'est là où je te dis la pigme balance tout droit. Là, t'es bien. Ah, je crois que pour voilà, la team JVTV, ça va être c'est mal parti. Moi, ce que je vois, c'est une petite tourelle qui avance tranquillement. Fait son chemin. Kawhi qui a récupéré. Kawhi tout seul. Kawhi face à Binks. Kawhi qui est quand même décédé. Et évidemment, Binks qui se dit tiens, il y a peut-être une ouverture. On va récupérer. C'est beau. Et juste devant, histoire d'affirmer. La place de cette tourelle, la tourelle qui avance. On a l'impression qu'il y a une déconnexion. Je pense qu'il y a une déconnexion là. Ah oui. Ouais, à mon avis, il y a des connexions, c'est pas possible. Enfin, pas de match. Non, je pense pas. Ça moi. Peut pas être à sens unique comme ça. Je pense et qu'il y a regarde, des connexions. Tu vois, là, la pile malance, je te dis, dans ce couloir là. Alors, Rémi qui se fait tuer par la pile malance. Kawhi qui va se faire tuer par la pile malance. Ah, c'est beau, qui est mort quand même. Oh, le stand mobile va essayer de récupérer, mais Andy contrôle. Andy raconte aussi. Andy chante, vous le savez. Ah, ils ont pas réussi à tuer hein. C'est bon, ils repartent au centre là, Kawhi on prend en lui. Allez, 6 points. 6 points, c'est passé pas très loin mais. C'est voilà. C'est pas bon. De déco, je suis pas mais. Moi je pense ouais, il y a eu 4 décos en même temps. Je pense qu'il y a eu 4 déconnexions aussi. Voilà. Et là ils se sont reco, tu vois. Voilà, ils sont tous reconnectés, on peut repartir. C'est bon. Oh là là, on dit hein, la menace du snipe. Sergo et moi, voilà, en plus, c'est une map du 1. Hein. Ah, ils sont plus que 1. Oh là là. C'est dur. Andy va récupérer, il attendait juste que Binks, Nosakeyo. 76 à 6, c'est assez serré quand même. Hein. Donc, il faut ça. Oui, c'est. Allez, Guac. Oh là là, Guac Rémi. Guac Rémi, il aime pas le sniper. Hein. Ah oui, boum. Oh, bien joué, Kawhi. Kawhi, c'est. Kawhi qui reprend dans le dos de la défense. Ah, belle esquive autour, mais il a les pieds un peu dans cache, le monde. Ouais. Il s'est fait arrêter comme un garde du Nord. Ah, il était magnifique dans c'est l'effort. Violent. Oh là là, le Guac Rémi qui a été liquidé. Oh là là, Wolf qui donne tout ce qu'il a, mais ça ne suffit pas. Et boum. C'est encore une allez, on dit. Et il va pigma lancer là dans l'allée. Ah, il attend de tuer Kawhi. Non, et là, il va pigma lancer. Et maintenant, c'est bon, hein. Dans 3, 2, 1. Oh là là. Oh, il attend qu'un collègue. Oh. Ouais, à mon avis, il peut pas pigma lancer, il est obligé de reculer. Il faut quand même plus de quoi marcher. Pigma lance. Et voilà, blablabla. Et là, les collègues peuvent avancer tranquillement dans le couloir. Ah, tranquillement, peut-être pas si tranquillement que ça. Je crois qu'ils n'ont pas récupéré. Et si c'est récupéré. Oui, ils ont même marqué, ils ont même gagné. J'ai cru, hein. Ah non, mais la pigma lance, je te dis. Allait être importante dans ce couloir là à la fin. Une légère domination ça des annoncé, Rising hein. Moon, très légère, mais rien n'est perdu. C'était serré, hein. Ouais. Il y avait comme une prolongation sans une prolongation. On voit au nombre de kills que c'est quasiment égalité. Mm. 1-0, mélange un peu les maps, ouais, quand même. Quasiment égalité. Et le bazooka, enfin les Rising Moon, évidemment, et qui sont plus motivés que jamais. Hein, piste mes roules, je l'annonce. Ah, non, c'est pas. Alors, et l'Institut Calam Arts. Presque. Il n'y a pas de déco. Allez. Oh, c'est dur, hein. Allez c'est les dur, Tartineurs, allez les Rising Moon, une qualification au bout. Ah, j'ai l'impression que le mental. Ah, tu penses les mentales. Qu'est-ce que tu conseilles à tes équipes quand le mental il suit c'est pas équipes, bah. Là, j'ai envie de dire, bah, donnez le meilleur de vous-même, déjà. Et après, tu fais, peut-être. Tu fais un monologue du shonen, quoi. Bah, non, mais de toute façon, jouez votre jeu. Jouez votre jeu. Voilà, et puis c'est ça, c'est tous les centimètres qui, bout à bout, qui feront peut-être la différence à la fin. Hein. Voilà, c'est bon, ils sont t'as partis. T'as vu, ils étaient impatients, j'avais pas validé. J'ai vu. C'était histoire de donner un peu le temps
Autant. Voilà. À la JVTV pour 1-0, se reconcentre. 1-0 pour Rising Moon. Et 1-0 pour Rising Moon, tout à fait. Là, ils sont en jaune et les tartineurs en bleu. Exactement, vous voyez hein, les tourelles qui permettent, enfin les deux pots qui sont. Allez, le bazooka. Vous devez mener le bazooka. Rémi qui a pris son saut légendaire. Ah, c'est déjà bon, on peut plus décédé. Oh là là. Kawel de et Andy, décédé. Pour Andy, Rémi, se régale dans au... pas longtemps. Andy se bon. Régale au snipe. Oh là là. Oh, on va faire avec lui. Il sort par Andy. Brochette. Il récupère et il c'est parti. Les 4 partent à l'attaque. Droit devant, droit au but. Tel l'Olympique de Marseille. Oh là là. Oh là là, Bouchy est total. Oh, il y va. Le tremblement est là. Oh, attention, ça peut durer 30 secondes. Oh, c'était serré. C'est pas passé loin, mais je pense qu'il y a une déco. Ouais, il y a eu 4 décos, là. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir fait la déco, la décoration, peut-être. Il y a une décoration. Ça décore, hein, les... Personne n'a retiré sa Switch du dock, hein. Remarque le fair play. C'est ça. Guacrémi avec un gros A+, Wolf S, tout court. Ouais. Bon, voilà, merci, hein. 2-0. C'est merci. Bien. Ça, c'était chaud hein, quand même. Hein. Bah, disons qu'il y a eu à un moment. Tu vois, quand Kawel a marqué les 3 premiers points de la tourelle. Ouais, j'ai cru, ouais, on y a cru. On s'est dit, c'est bon, tu vois, ça va gagner. Puis, ensuite, ils ont plus revu la tourelle de la partie. Ouais. Et ouais. On s'est dit. Gilles de la tourelle. Ça allait être compliqué. C'est la vie. C'est donc c'est la finale vie. Qui va opposer. Du coup, les Overroad face au Rising Moon. Les deux équipes sont qualifiées pour la Paris Games Week. Félicitations à vous. Hein. Vous remportez, bien entendu, votre défraiement total pour la Paris Games Week. Hein. Vous pouvez même défrayer votre maman si vous le voulez. Ah bon ? Tant que tout ça est justifié, bien entendu. Hein. C'est-à-dire bah, si vous. Bah, soutien si... psychologique, tout ça. Non, pas forcément. Si elle est dans la team, ça se trouve, elle joue. Si tu es mineur. Ça se trouve, elle joue, elle est dans la team. Si ta maman est dans la team. Bah oui. Passe le bonjour évidemment à Écurisson, à Rémi, à Kawel, à Wolf. Ils nous ont offert des sensations que plus jamais. C'est ça. Ils ont tué les GEK. Et c'est toujours. Ah, ils sont sur le chat, on les salue. Hein. Ça a été des beaux matchs, on a vibré avec vous. Totalement. Ils reviendront plus forts. Exactement. Et donc, Mais c'est là où tu vois que. Ouais, ils ont eu une demi-finale. On va dire plus aisés, ils étaient beaucoup plus chauds que lors de leur premier tour. Hein. Pourtant, le niveau des tartineurs était assez équivalent à ceux de l'Orcs Team au début. Mm. Mais t'as vu que c'est beaucoup mieux passé pour eux. Overroad Rising Moon. Et on est parti. Alors, les deux teams sont d'ores et déjà qualifiés. Exactement. Donc là, on joue pour. On joue pour le placement pour affronter quelqu'un qui a terminé deuxième. Bon, il y a que des tueurs hein, qui ont terminé. Hein, toi, t'as choisi c'est doc à doc. Non. Pourquoi j'ai composé les équipes, moi ? Ah oui, non, c'est juste que, pareil, j'ai appuyé sur gauche et ça appuie en bas. Comme d'habitude, la base. C'est beau, Binks, Firenze. C'est gros doigts, le problème, peut-être ? Non, je t'assure, cette croix-là... Oh ? Ouais. Moi, je le trouve très bien. J'arrive pas. Du mal. Hein. La gros doigtitude. Nintendo, je sais que vous regardez. Je sais que vous regardez ici. Rebêta testez vos croix, je vous assure. Pensez Super Nintendo. Moi, je pense que ça arrive qu'à toi. Hein. Mais non, hein, je t'assure, ça arrive pas qu'à moi. T'as aussi des gros doigts. Handicapé, mais des gros doigts. Il est là, on dit. Je sais pas s'il a sa cape. C'est le dernier match, donc ça se termine. Quand le dernier match sera terminé, juste après, vous retrouverez bien entendu Best Marmotte, puis Mangassure hein, ce soir. Ah oui, oui et pas Meurs pas sans ton fils, hein, Mangassure. Mangassure avec un invité exceptionnel, un grand fan de Nintendo, puisqu'il il édite le manga Pokémon. Il y aura Greg. Incroyable. Et oui. Il viendra nous parler des animés qu'il a matés de ce début d'automne. Parfait, ils sont tous là. Je nous mets dans les gradins. Équipe alpha. Bravo. Mesdames et messieurs, c'est la finale. Attends. Quoi ? C'est bon. Manta Maria, on est bien. Mais... Ah ! La team...
Si, c'est bon. Oui, c'est non, beau, c'est bon, Fioranti. J'ai pas fait d'erreur. Fioranti en D-Binks. Ouais, parce que tu sais, ils ont le même signe, les autres. Zaza, Avento, Betch, mon coup de. Non, là, c'est bon. C'est là, bon. C'est Omega et l'autre, c'est Omega R. Ouais, c'est bon. Parce que tu sais, il y a le même signe devant, alors j'avais peur qu'il y ait une embrouille. N'aie pas peur. Expédition risquée, Manta Maria. Ok, bah c'est bon. On est bon. Voilà, ces deux équipes sont qualifiées, mais elles vont se disputer le placement dans les quarts de finale du championnat de France de Splatoon. Il va y avoir un niveau championnat de France, j'avoue, je te raconte. J'avoue. Ça va être sur-violent. En tout cas, tout le monde a répondu présent. Championnat d'Europe avant l'heure, quelque part. Ah ouais, franchement, gros niveau. Hein. Merci à Zraox de jouer à Mario plus les lapins crétins. Un très bon jeu. Et... c'est parti, toujours en BO3, je vous le rappelle. Expédition risquée, Bazookarp, défense de zone en cas d'égalité. Qui va remporter cette troisième qualification pour le championnat de France de Splatoon 2? Et un snipe. C'est parti. Un snipe partout, exactement. Avec deux très bons snipes, hein, d'un côté comme de l'autre. Ah, Kiki, il était bon aussi. Hein. Là, j'avoue. Le pauvre Kiki. Allez, c'est beau face à la tourelle. Je vous rappelle que... dans la c'est beau qui a lâché son rouleau. Les joue le saut, mais là il s'est fait barbouiller. Oh là là, Zaza. Les plans de jeu actuels veulent que vous déblayez d'abord les mecs et ensuite vous intéressez ensuite à la tourelle. C'est toujours celui qui prend l'avantage sur le kill qui va prendre la tourelle. Tu ne fonces pas sur la tourelle comme un mongolo alors qu'il y a 4 mecs en face qui peuvent te dézinguer. Ah là là, mais la pigma lance. Ouais, il l'a bien esquivé hein, quand même. Hein. Ça a l'air un peu difficile de revenir. Regarde, il a vu une téléportation, il s'est dit je vais me le faire. Mais ouais, compliqué. Ouh là là. Repart. Hein. Ouais, il repart là, mon couteau. Avec son snipe. Oh, et je crois qu'il y a un ami qui l'a vu. Là. Oh, il l'a eu. Ouais, non. Il l'a liquidé. Il l'a complètement liquidé. Oh là 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 là. Ah, il a liquidé Betch en plus, hein, juste derrière. Oh là là, Fioranti qui a fait un gros travail qui permet à son équipe de mener là. Ah, ça y est, les Rising Moon ont pris le premier checkpoint. Bientôt. Boum. Ah fait. Là là, c'est bon, il l'a eu. Le chasseur de mouches. Ouais, mais tu m'étonnes, c'est tellement ça. Et attention, dès qu'il est dans le couloir, ça va sortir la pigma lance. Non, il se contrôle bien. En plus, t'as vu, il saute pour l'avoir. Oh là là. La grenade, ça l'inquiète pas. Va reculer, repeindre un tout petit peu ses pieds. Il regarde derrière Andy pour savoir s'il y a quelqu'un. Et pour le moment, l'avancée, elle est totale. Oh là là, la bombe. Oh, il est mal placé, la tourelle là. C'est bon, il remonte. Ils sont où là, les. Oh là 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 là. Et le dos. Les overroad. Non, c'est bon, Fioranti couvre les arrières. Fioranti couvre devant, il est partout Fioranti. Il a l'air d'avoir du monde. Oh là là, boum. Dernier checkpoint, c'est fait. Il y a Binks qui est dessus, attention. Il redescend de la tourelle. Ils sont à quelques mètres maintenant. Ouais, point final. Et là c'est la guerre évidemment. Binks. Quelqu'un a repris la tourelle. C'est Andy qui a repris la tourelle. Oh là là. Il n'y a plus rien à faire. Il est Rising Moon qui marque. Travail d'équipe magnifique. Sur la tourelle, tu pourrais les trois devant. Dès qu'il y a un mec. Mais ça, c'est le problème, c'est qu'il focus le mec de la tourelle. C'est ça. En fait, quand il focus le mec de la tourelle, les mecs qui étaient devant, il y en a un qui repasse derrière après avoir tué le mec qui a lavé. Et ensuite, après, l'autre sort téléport. Et toi, roulement fonctionne. Et au bout d'un moment, la tourelle ne fait qu'avancer. C'est bien joué. Faut tuer les mecs qui déblayent d'abord. C'est bien joué. Et ensuite récupérer la tourelle. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Mission Bazookarp. Est-ce que ça va aller aussi vite? Très beau mélange des maps, hein, je tiens à le dire quand même. Tu m'as tout appris. Et Manta Maria, la même, voilà. Tombe la même. Voilà. La base. Beau mélange des maps pour pas grand chose. T'es pas assez bien mélangé, ça veut dire. Écoute, je n'ai pas encore le talent de l'artiste. Oh là là. Hommage, hein. Vous pouvez trouver hein, ces petites peluches Splatoon officielles. Hein. Ça se trouve assez bien chez nous. C'est complètement 100% officiel Nintendo. Hein. T'as vu Splatoon TM 2016 Nintendo. Hein. Oh là là. Tu vois. Et c'est des peluches européennes. Tu vois, t'as le CE. Donc c'est pas. De... C'est les mêmes qu'au Japon. Tu vois, t'as le logo en japonais juste derrière. Mais tu as quand même le truc. Elles sont pas mal. Il y a 4 couleurs, je crois. 4 ou 5. Ça se trouve. Allez, les joueurs sont prêts. Le prix aussi officiel. Non. Oh, c'est pas si cher. Surtout, en plus, ça tient super bien. Je sais plus où je les avais vus. Je n'avais vu avant. Oh, genre à Répu, hein. J'ai trouvé à Répu. Mais genre dans un magasin, ça m'avait surpris. Genre un truc.
Ah, peut-être à Zing ou un truc comme ça. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti, on y est. Mandy qui repart du même côté, toujours la même stratégie. C'est beau, encore au milieu. On ne change pas sur l'équipe qui gagne. Bon, alors, Bazookarp, déjà, exploser le Bazookarp, hein, c'est très important. Attention, il y a le snipe. Ah, il est bien caché. Non, il a touché une fois, pas deux. Ouais, c'est beau. Mokuto, hein. Ouais. T'as vu les petits mouvements, les petits sauts de Mokuto? Ah, il prend du temps quand même à passer autour. Tant qu'il va largement perdre. C'est beau peut-être là. Wandy face à Mokuto. Oh, t'as vu Il a tenté le saut et de kill dans le malade. Oh, le mec est fou. Oh, le malade. Ah, du coup, Wandy va le signer. Il a tenté un. Il a tenté un. Une brésilienne, comme on dit dans le jargon. Ah ouais, il saute en l'air, il se retourne, il tire, il atterrit. Il peut... Oh là là. Alors que. John Wick. Ouais, c'est ça. C'est John Wick. Ah le dingue. On dit au bazooka. Oh là là, ils vont aller le déjà planter. Tellement prêts. Heureusement qu'il s'est fait arrêter. Mais t'as vu, c'est encore le problème. Il tue le détenteur du bazooka. Le truc est derrière, plus personne. La chance que Bix va récupérer tout ça. Il reste que quelques mètres à marquer. Oh là attention là au drone. Oh attention à la bombe collante. Oh, ça sent la mort. Ah, il y a Sebo plus Bix ici en temps. Oh là là, bien joué. Andy toujours en vivant. Andy est mort, bien joué. Sebo toujours vivant. Sebo qui est jamais mort. À 3 contre 1. Oh là là, il est dans le mur quand même. Là, c'est bon. Il y avait même une téléportation, je pense que la téléportation est pas très bonne, ils ont récupéré le bazooka, très très bien joué de la part des Overroad. Enfin, ouh. Enfin ils réussissent à stopper l'hémorragie. Petit chemin indé. Hop. Chemin, Il est bien. Ils l'ont déjà repéré. Oh là là, ils tirent tout en l'air. Ah oui, ça permet de tirer deux balles en fait, de tirer en l'air. Ah oui, j'avoue, il y en a une qui retombe et ensuite après t'en tires une. C'est pour ça, oh c'est technicien. Ouh là par contre c'est compliqué, oui. Au corps à corps là. Et la contournation de Binx. Évidemment. Il envoie un petit chien histoire de courir. Ils sont les deux là-haut, hein, face à Zaza. Voilà. Les pour deux. Andy va pouvoir récupérer. Voilà. Et il attend juste la confirmation de son équipe s'il peut récupérer. Andy qui prend le Bazookarp. Les collègues sont devant. Eux ont fait le chemin normalement. Attention à Mokuto. Voilà, là, il y a Mokuto qui veille. Qui veille, qui attend juste que Andy pointe le bout de son nez. C'est bon Oh là là. Ouais, il a tenté quand même d'y aller, il s'est dit bon j'ai delay bien mais non au final il s'est quand même fait eu. Là ils vont tirer dessus, ils vont l'exploser. Ah putain. Oh, l'importance du snipe hein. Oulala oulala oulala. Ouais là il est un peu redescendu. Ouh ça, il y a des bombes là, ballons qui pleuvent. Il est très très loin quand même dans la zone adverse, c'est ça qui est relou. Aïe, et c'est beau, c'est beau qui est là au cac. Hein. Ah, et tu vois, et le bazooka fait encore dans leur zone. Oh là là. T'as vu où est-ce qu'il joue? Oh, il tire là où le mec va réatterrir de sa super bazooka. Ah ouais, je crois qu'ils ont récupéré le bazooka. Non, il est juste en free juggle. Mais ils sont bien là, ils contrôlent bien, les Rising Moon, ils ont l'air bien, ils gèrent leur finale. Voilà, Avento est mort, c'est bon, ils vont avancer. Oh là 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 là, mais il y a toujours le snipe ou pas qui est là? Attention. Ah, il est là, Mokuto. Oh là là. C'est bon, il a réussi à passer de l'autre côté. Enfin, il laissera jamais passer. Hein. Ouh là là, le barbouilleur qui est sur le dos. Ah là 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 là. Tellement difficile de tuer. Le repli sur l'équipe. Oh et là Mokuto qui va l'aide. Attention, non. Enfin, ils veulent le planter à tout prix. Hein. Betch qui est là. Oh, c'est beau qui a bien géré le versus. Mais il se fait tuer dans le dos par l'éclat blaster d'Avento. Et ils ont récupéré. Exactement. Ah, il y a Firenty. Oh, oh oui, Firenty. Oh là là là, c'est dommage de se faire tuer par Firenty là comme ça. Firenty. Les mecs ils vont s'approcher. Mokuto est toujours en train de veiller, donc évidemment il protège le touchdown, mais. Ah c'est tellement puissant le rouleau. Oh là là, la superbe du nuage toxique. Et dans une sale position quand même le Bazookarp là pour être récupéré. Ouais, c'est beau avec un saut, hein, pourrait peut-être. Ah mais il est bien là, avec percer. Le D'accord, Betch a récupéré et va passer de l'autre côté. Ils ont assez repas en rose, parfait. Bon, voilà, on rappelle qu'il est cramé, il peut pas se cacher. Hein. Voilà, et il y a déjà Firenty qui est là. Ouais. Il a attendu assez, je sais exactement où tu vas. Papa, 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 papa. Bon, est-ce qu'il récupère? Il nous fait un petit plaisir. Non, lui il veut tuer seulement. Hein. Ça veut tuer, c'est Andy à chaque fois qu'il récupère. Oh là là là. Ouais, c'est le rôle de Andy dans la team. Attends, duel il est de derrière snipe. Là, bah oui, il l'a pas vu. Duel de snipe. Ah, c'est beau, c'est téléporté et a réussi à ne pas mourir en se téléportant. Mokuto, ah il a réussi à tuer Mokuto. Oh, il y en a un dans les airs qui fait le fou. Deuxième kill. Il est tué par Zaza quand même derrière.
Et mon équipe a perdu Bazoukar. Il est où le Bazoukar? Il est là-bas. Mais Zaza est un peu tout seul. Là, il y a repeint pour les collègues. Il reste 8 secondes. C'est mal barré. Le nuage toxique. Ah, il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus. Il reste 2 secondes. Mon couteau est mort. Rising Moon, tranquillou bilou. Et c'est terminé. 2-0. Victoire 2-0 des Rising Moon avec une domination total. Au final, là où ça a été le plus chaud, c'est comme on a dit contre les Orcs hein, au tout début. C'est exactement ça. La finale avant l'heure, mais ce sont le hasard du calendrier. Hein. Belle organisation, beau kill, beau roulement sur les tourelles ou sur le Bazoukarp. Belle gestion de l'avance aussi. Rien à dire, ils ont mis 3 qualifications à pouvoir se qualifier. Et c'est peut-être la qualification la plus difficile, la dernière, qu'ils ont réussi à remporter. Félicitations à eux. Félicitations aussi, hein, bien entendu, aux Overroad hein, qui se qualifiés pour la Paris Games Week. Évidemment, eh bien, ils vont affronter des équipes du niveau des Rising Moon. Du coup, eh bien, le taf va être obligatoire. Je vous rappelle du coup les dates de ce championnat de France Splatoon. Vendredi prochain, aux alentours de 14h30, il y aura... Renseignez-vous bien sur le stand Nintendo. Prochain. Bah non. Oui, vendredi prochain. Pas celui-là qui arrive. Ah oui, au mois prochain, c'est à chaque fois les semaines d'après. Oui, c'est la semaine d'avant que tu me en 8. Vendredi en 8. En 8. C'est ça. Oui, le vendredi de la Paris Games Week, vous aurez donc eh bien, les dernières étapes de qualification de Splatoon. Ce sera en direct et ce sera en offline sur le stand de Nintendo à la Paris Games Week. On sera là avec Monsieur Karaté pour vous animer. Tout ça, encore une fois, inscription libre, à hauteur de je ne sais pas combien d'équipes pourront être supportées pour ce tournoi, mais en tout cas, arrivé tôt le matin, hein, 14h30, ce sera uniquement la diffusion des phases finales de ce tournoi sur le stream de Nintendo. Je pense que le tournoi commencera dès le matin, 10h à l'ouverture, donc n'attendez pas et ne tardez pas. Oh, ça va être marrant de voir tout le monde dans la vraie vie, c'est ça. Ça va être sympa. Tu le fais le tournoi? Le tournoi, non, moi je pense pas parce qu'il faudrait avoir une team de 4 et j'ai pas envie de tirer toujours des petits enfants, des collègues ou donner des rendez-vous et après je peux pas y aller. Arrête plus. Oui, peut-être sur place s'il y a des gens qui manquent un jeu, je pourrais m'incruster, mais bon, pour la blague. Non, moi je vise la victoire à Pokken. Pokken, bien entendu. Mais sinon, Splatoon, ça m'intéresse quand même de voir les collègues. Dans la vraie vie. Et ça va être intéressant parce qu'on a pu le voir lors de ces phases de qualification en ligne, il y avait du niveau de dingue. Exactement, du niveau de dingue. Il y en aura aussi lors des quarts de finale du coup qui auront lieu samedi, pareil sur le stand de Nintendo pour avoir un top 4 intégralement retransmis et diffusé sur la scène de l'USWC dans la Paris Games Week. Voilà, la Paris Games Week pour Splatoon, vendredi, samedi et dimanche, vous aurez du très très gros spectacle. Normalement, à partir de la SWC, tout ça sera retransmis sur JVTV. Sinon, eh bien, suivez bien Nintendo FR sur Twitch pour la diffusion du tournoi. Merci encore à tous ceux qui ont permis à ces qualifications et à ce championnat de France de se faire. Nintendo, bien sûr, mais aussi toutes les communautés Splatoon qui ont été derrière pour eh bien, amener le monde et le beau monde.